Rivière Massacre. Haïtien Fremsum, Dr. Claude Joseph, dans un véritable combat avec la République Dominicaine encore une fois. Gros tension diplomatique entre la République Dominicaine et Haïti. Mais définitivement, fois ça, Haïtien a comprendre que son grand monde qui campait là, qui a fait face avec la République Dominicaine pendant que le pas chef. Mes amis, nous devons comprendre. Président Jovenel Moïse, aïe aïe aïe, messieurs, quand mon pays m'a toujours dit ça, oui. C'est le pas utile, pas là, ou va connaître s'il était utile, tendez. C'est le ça, ou dit pas bon, hein? Pas là, ou va connaître s'il était bon. Et mais je dis, moun, nan pleine, Bamaribao, commencé, ouais, importance, président Jovenel Moïse. Ouais, qui ça Jovenel Moïse te représenté pour yo, comme président de la République qui te sorti? Dans le Grand Nord, et qui t'a réfléchi pour la paysanne haïtienne. Je dis à peuple haïtien, sont dérespectants, mais c'est son crime contre l'humanité. Ariel humilié chaque haïtien qui a vive dans le Grand Nord. Là. Ariel humilié chaque haïtien devant la République Dominicaine. Ariel fait tête baissée. Ariel manque nos dégâts. Ariel accepté pour le prendre dictée, nan men Luis Abinadel, nan men un ministre affaires étrangères dominicain, pour que le cas humilié, attendez, la paysanne haïtienne, et ce qui est extrêmement important, attendez. Un président qui est élu démocratiquement, un président qui a une légitimité, un président qui a allé dans l'élection, qui a un projet politique, qui a un programme, qui a un projet pour le pays. Ariel pas ni projet, Ariel pas ni élu. Ariel pas ni nommé, parce que qui s'est passé? Si Ariel t'a pas le goût de crasse légitimité, c'est avec Jovenel Moïse pour le gagner. Le président pas même rive installé même. C'est tout, il y a un tout président, ou al volant ampliation la Kaili, et pour venir installer tout. Mais sami, c'est grave, oui, ça qui a passé là. La République Dominicaine, imposée avec la paysanne haïtienne qui est en pleine Maribao, pour que vous campez, travaux qu'a fait sous rivière massacre là. Mes amis, n'a parlé en commencer garder image. Là, nous dans rivière massacre dans pleine Maribao. Écoutez bien. C'est jodi encore une fois, frère avec sœur haïtien pareil moi yo, va comprendre raison qui cause où est président Jovenel Moïse te encadré docteur Claude Joseph dans dimension te encadré là comme petit jeune garçon, comme jeune haïtien qui compétent, qui ça que Jovenel Moïse te wè la Claude Joseph, qui cause en cadre le niveau ça. Parce que te gan pile jalousie à l'époque, au niveau gouvernement. Te gan pile jalousie dans l'entourage président Jovenel Moïse. Te gan pile jalousie. Et je dis, haïtien va wè, raison qui cause Jovenel Moïse te encadré docteur Claude Joseph. Peuple haïtien, raison simple. C'est parce que Claude Joseph son équipe loyal. Mais c'est son type qui est extrêmement gai courage. Monsieur qui a conviction. C'est pas vos fleurs, même si on prouve elle. Et ou après, ça Jovenel Moïse te wè la kay misye a. C'est Jean de Moun sa yo. Jovenel Moïse pas de gagner en majorité bon la kay. Alors, bon nan entourage li, qui cause ouè, président capable de livrer nos conditions pareilles. Jodi m'ap gade pou mwen, parce que printemps, m'kite deux jours passés, m'ap suiv dossier. M'ap suiv dossier. Ou est-ce si nous gagnons, yon 10 haïtien ta koustan le Lucas. Nous avons 15 haïtiens, tant que docteur Claude Joseph. En vérité, bon Dieu, nous garantissons la bataille pour la libération du pays d'Haïti, elle n'est pas difficile même. Parce qu'on a besoin de gens qui sont patriotes pour tout bon. On a besoin de gens qui ont force, qui ont courage. Où est-ce que vous avez tout haïtien? Parce que je connais la majorité haïtien qui est dans la diaspora. Mais malheureusement, qui peut parler? Qui peut parler mal de vous? Qui peut fouiller mieux dans cette guerre-là? Si tout haïtien, te prend dimension que Claude Joseph prend, risque que Stanley Lika prend chaque jour, pardon, pour pays, nous garantis nous, nous pas tap la. Là, c'est un journaliste qui est PDG Réseau Nord-Ouest, un média en ligne, qui t'a fait une interview là, qui m'a bail crédit, parce que l'image, c'est l'image, et il y a monde qui voit petit bout là pour moi, même prend pour me passer, parce que ça concerne le pays, et bien justement, je crois que monsieur a compris ça. Là, c'est Rivière Massacre qui entre la République Dominicaine et Haïti. Bon côté, monsieur, vous campez sous bord Haïti. L'autre bord, c'est territoire dominicain.
Est-ce que nous comprenons ça, m'a dit nous là? C'est rivière qui sépare deux pays là. Ça veut dire que c'est sous frontière qui est campé là. Parti ça qu'on est campé, c'est parti qui pour Haïti. L'autre parti, c'est pour la République Dominicaine. Maintenant, parti pas dominicain, gagné de guérites qui gagné de cages, espace qui gagné des militaires dominicains. Bien armés, avec gros matériel solide. Yo gon barrage que yo fait à distance à pas de rivière là. Yo font clôture à distance pour yo sécuriser territoire yo. Ou regardez on miraille comme si yon barrage comme tu as dit ça. Yo barrage qui ont gens fait et en babelé. OK, ti poto fait camper et puis on mettait gris, on mettait babelé sous lui. Mais reste espace qui derrière, c'est toujours pour yo qui lié. Mais ça Dominique clôturé comme espace dans zone qui pi au rivière toujours. Dominicain complètement rentré sous territoire pays d'Haïti. Qu'est-ce que la délimitation Dominicain pas respecté ça? Tout espace qui est vide, il contrôle parce que, bon côté pas, il y a même, il y a géré, il y a contrôlé, il y a sécurisé, bon côté pas, nous, même, il est vide dans la bouteille, il est largué, deux bras balancés. Pays attendez. La République Dominicaine a un véritable combat qu'il a fait. Pour que Haïti, pas jamais, prenne une prise sous rivière massacre. Rivière ça que n'a regardé là, la République dominicaine, autorité dominicaine, plantain dominicain, homme d'affaires dominicain qui investit en agriculture, et mais justement yo getan prend 11 prises sous rivière ça. Yo pas de problème de l'eau pour que yo planter du riz, fait toute plantation que yo besoin. Yo prend 11 prises sous lui déjà. Parce que rivière en longue. C'est pour la première fois. C'est pour la première fois que Haïti décide pour que le prenne en prise sous rivière ça. Sous Mateli, tu as des tentatives qui t'est faites pour que il te font déboucher sous lui. Tu as des pressions bon côté autorité dominicaine te mette. Mateli te vinn faire back, équipe Mateli te vinn camper. Jovenel Moïse prend courage à deux bras, il dit inacceptable. Rivière nous partager, son frontière que lié pour nous. Nous tout nous qui doit pour nous la dedans. Pour que ça veut dire espace pas c'est comme si n'a jour pour pas Haïti c'est barren barrel pour dominicain bon dominicain lui même yo prend Jean ouvre là ouvre fait ça ouvre ensemble avec elle. Jovenel Moïse dit n'a prend de prise sous les tout pour que et nous capable rouser plein magba pour que moun cap faire plantation dur l'autre bois yo capable joindre le pour fonctionner. Et pourquoi ça passé autorité dominicain qui voulait pour que yo contrôler vente nous même Haïti haïtien et des hommes d'affaires dominicains, alors haïtiens, des oligarques haïtiens, qui ont investi dans l'agriculture en Dominicanie. Vous savez bien, oui? Ils ont investi dans le secteur agricole en Dominicanie. Ils ont fait des business en partenariat avec des Dominicains. Investi gros tonton l'argent. Et mais c'est eux-mêmes qui ont mis pression avec des Dominicains pour que Haïti ne prenne pas une prise sous rivière massacre. Parce que tout simplement, si nous arrivons à prendre prise sous rivière massacre, eh bien, du riz paysan va planter dans plein de Maribao, pas capable de perdre encore. Côté ma pas la voilà. Il y a tout du riz malheureux perdu net ou connaît. La pluie pas tombé, pas gagne de l'eau. De l'eau pas descendre. Mais Dominique lui-même, il n'a pas besoin de temps de la pluie tombé. Il a toujours gagné de l'eau. Non seulement il y a un pile puits artésien. T'as bien oui. Non seulement il y a un pile gros puits artésien. Mais il y a une rivière là en permanence qui a vomi de l'eau. Il prend toute qualité prise sous lui. 11 prises. C'est pour la première fois Haïti a essayé pour une prise sous rivière massacre là. Eh bien, Dominicain fâché, Dominicain estomaqué, ministre Affaires étrangères Dominicain écrit Premier ministre pays d'Haïti, autorité Dominicain écrit Ariel Henry. Est-ce que nous connaissons? Ariel Henry dit tout d'abord, il ne reconnaître le travail qu'a fait sous rivière massacre là. Peuple dans plein Maribao, t'as le côté autorité étatique yo. Responsable pour dire que aidez-nous fin faire stress travaux parce que tenez bien c'est quelques mètres que président Jovenel Moïse t'est arrêté pour te faire déboucher parce que pas oublier l'on prend une prise sur une rivière on a parlé avec des qui expérimentent dans domaine et nous compréhension et par rapport avec situation tout parce que l'on regarde côté de l'eau c'est pas là comment c'est travaux c'est quand on besoin de l'eau aller tout d'abord ou commencer faire travaux et pour avancer pour arriver bon côté de l'eau parce que l'arrivée bon côté de l'eau c'est dernier passé on va le faire. Ou a fait dernier travaux, ou a canalisé normalement. Après ça, pour faire dernier touche, et c'est là où pral inaugurer travail là. Avec dernier coup de pelle qu'on pral fait pour que l'eau capable atterrir dans le canal là. Mais Jovenel Moïse, t'es qui t'a fait tout l'autre travaux,
c'était quelques mètres qui t'est arrivé, arrêté pour te faire passer pour te tout inaugurer le travail là. Mais t'as en pile pression. Bon côté autorité dominicaine, bon côté des hommes d'affaires haïtiens qui a investi en catimini avec des autorités, avec des hommes d'affaires dominicains dans le secteur agricole. Et bien justement, Jovenel Moïse t'a contrôlé ça. Jovenel Moïse t'a déployé militaire. Il t'a déployé M. Bessapio pour contrôler Plaine Maribao, pour contrôler les travaux qui ont fait dans le massacre. Est-ce que nous connaissons majorité matérielle que le président Jovenel Moïse a acheté pour te continuer les travaux, le matériel est toujours dans le débattement, et toujours dans l'espace public. Les paysans, ils ont demandé pour les travaux continuer. Les autorités locales, ils ont dit que le matériel n'a pas de gaz, il n'a pas de bagaille pour faire service là-dedans. Ils ont demandé aux paysans $3,700 américains. Les paysans ont dit qu'ils n'ont pas planté, tout ça qu'ils ont planté perdu, ils n'ont pas de comme ça. Eh bien, yo di messieurs dames, yo pa ka fè rien pou yo. Le al gade pou yo, ouais, l'autre moun fè pression, yo di n'a pas jeune petit coblan. Eh bien, responsable yo di, yo pa jeune l'autre bon kout, c'est Ariel qui pou ba yo l'autre pour travailler comment continuer. Eh bien, paysan yo pren courage yo à des bras. Ça de bien oui pays ya. Yo pren courage yo à des bras pour yo commencer travaux ça avec plan men yo. Yo commencer travaux effectivement. Yo fait ça que n'a gade là. Meni. Nous prenons le travail que les paysans ont fait. Et meni, c'était petit bout de sacrité, rivière là, les là. Paysans, normalement, fait débouché là. Vous regardez le guérit de Claude Boa. C'est pour la, c'est guérit militaire dominicain. C'est qui sur l'autre frontière. Ok, vous regardez le guérit de bagarre blanc ça. Ok, c'est pour autorité dominicaine, c'est pour militaire dominicain. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bon territoire par là contrôlé. Et c'est normal, l'armée est là pour contrôler toute frontière pays. Pour contrôler frontière, pour gérer sécurité pays. Ça n'a pas gardé en bas, typiquement, ça en bas, c'est M. Bessapio. M. Bessapio qui nous connaît, qui a une pièce de contrôle, qui a une pièce en bas encadrement, qui est juste là, comme des nègres qui sont dans le département, qui sont des paysans, ok, ils ont dit, faut que vous contrôlez tout vous-même. Volontairement, vous mettez tête là. Est-ce que nous comprenons ça, vous avez dit? Volontairement, vous mettez tête là. À plusieurs reprises, militaire dominicain vient camp avec gros âme pour tenter ba oppression, mais yo pa prend en pression. Yo dit pour arriver ça, ce soir yo mouri ou bien passé à fête normalement. Yo dit Jovenel Moïse mouri, c'est pour c'est rivière ça c'est une cause qui cause ou est dominicain impliqué dans tout Jovenel Moïse parce que il est clair. Il est dominicain qui impliqué dans assassinat Jovenel Moïse. Et son dominicain qui était ministre dans gouvernement dominicain, OK, qui était bail avion personnel li, pour te rentrer dans le pays d'Haïti avec des mercenaires colombiens pour assassiner un chef d'État dans la coupe pays d'Haïti. Et mes peuples haïtiens, dossier a compliqué. Paysans ont dit au pape campé, travaux a continué, il y a un pile parole qui continue à parler. Premier ministre, Dr. Claude Joseph, monsieur Frappé. Mes amis, on continue à regarder les travaux. Et m'a dit, m'a bail crédit ensemble avec Réseau Nord-Ouest parce que l'image là, le monde qui coupe le voyage moyen, il dit que c'est journaliste. Et PDG, alors Réseau Nord-Ouest qui fait li, moi salue yo, pour courage yo. Et ou ap gade pou wè, ça c'est côté, ou ap gade nan kouen l'autre boa, c'est côté que président Jovenel Moïse te commencé ensemble avec Canal Lan, et Canal Lan te presque arrivé nan pati sa, qui tape juste bay débouché seulement. La moun yo rete, yon ti kal travail pou yo fè. C'est juste fon façon, moun yo pas supposé getan débouché l, yon te supposé continuer ensemble avec travaux et Canal Lan, et ki Canal Lan capable di mette Canal Lan en béton. OK, mettez bloc béton et puis rendez le tout bagay. Et puis après ça tu vas faire déboucher. Et puis dans l'espace côté que ou pral péter canal là, faut qu'on rassure que li très bas, li pi bas par rapport ensemble avec hauteur rivière. Faut qu'on mette le tout bas tout parce que ou capable prendre la hauteur et puis toute rivière net descend ou tout couper rivière. Bien que li madame Jean Kafine prend tout net parce que c'est pas la logique. L'op prend prise dans un canal entre deux pays. Mais justement, nous chaque supposé prendre là au niveau, côté que, ou pas que doit prendre pour que canal là tout, ou tout couper, ou canal là, ou tout balle en l'autre orientation. Ou pas qu'à faire comme ça, parce que là, il est capable, bah, un conflit, et tête chargée qui est capable de mener la guerre entre deux pays. Mais la République dominicaine, pas que ça dans tête lui-même, pour que nous gagnions de l'eau, pour ne jamais faire jardin. Ça veut dire que vente nous, supposé toujours dépendre de la République dominicaine. Et c'est là, yo sans pitié. Et c'est là, nous capable, clairement, yo son peuple, son groupe autorité et nous capable dit nous qui vraiment sans coutia qui vraiment sans pitié qui a travaillé avec des et ça m'a violent autorité dominicaine et c'est ça que nous devons comprendre
autorité dominicaine, nous devons comprendre effectivement position yo par rapport ensemble avec ça qui a passé là. Et gagner normalement capable dit nous des Libanais qui au pouvoir actuellement là en République dominicaine. OK? Des Libanais qui au pouvoir mais yo joignent soutien des Libanais haïtiens des autres ça nous relé oligarque en Haïti qui des complicités ensemble avec eux pour aider eux exterminer peuple haïtien pour aider eux détruire peuple haïtien. Mais c'est eux même qui au pouvoir maintenant, ça veut dire que oligarque haïtien ou Libanais haïtien c'est eux même qui au pouvoir et c'est eux même qui ba cop qui pour trouiller président pays a qui t'a qui le canal ça qui t'a prend prise sur vieux massacre là pour aider paysans yo ou c'est toute pleine ça que l'a regardé là. C'est plus tande c'est un pile hectare de terre qui t'a pral jouen de l'eau pour user. Et gen kay dans zone nan tout paysan yo habite dans zone nan. Monsieur yo pa vle ça du tout, du tout. La République dominicaine gen de l'eau assez. Bon côté pal lan, troublé, n'ap gade bon pal la troublé, mais pas nous nous-mêmes, soleil boucanel net parce que nous pa gen de l'eau pour nous user canal là. Mais par conséquent, yo gen un gros puyatezin. Yo gen de l'eau gros de l'eau m'pa bon menti. Pour faire toute qualité de travaux que yo besoin. Parce que l'État dominicain, investisseur dominicain, investi dans l'agriculture. Et c'est ça qui est bon la caillou. Mais vous venez jouer. Flibustier haïtien, accaparé, volant, assassin syrien, libanais, palestinien, qui crase la production nationale dans le pays d'Haïti, qui investi dans la production locale en Dominicani. OK? Qui investi dans le secteur agricole en Dominicani. Pendant que vous avez détruit nous net qu'on est. Moi, je dis nous ça très bien. C'est deux monde qui ne parlent pas nous-mêmes du tout. Ils ont un problème avec les nègres noirs. Yo gon problème avec black mais par conséquent c'est dans pays yo bâti toute richesse que yo possédé. Ceux qui pour qui étaient pauvres à l'extrême que yo yé. Yo riche sous nous même comme haïtiens. Et puis jodi a nous camper n'a garder ban rayon ça ou ban fatra ça yo dans yeux qui continue à détruire nous. Jodi a faut que haïtien haïtien frère sœur faut que nous wè qui est qui camper bon côté nous qui est qui pas veut wè nous parce que oligarque yo te dit yo besoin réduire population haïtienne nan. À un pays à moitié pour clair. Yo bien fait tout un pays à moitié pour clair, même j'avais avec la République dominicaine. Ça veut dire que faire Haïti font seul avec la République dominicaine. Et c'était rêve ça Boulos te gagné. Qui cause Boulos tant vie courir rentrer dans politique pour être capable venir candidat à la présidence. Parce que l'ouais que Luis Abinadel qui sont libanais, monsieur rentré dans politique et monsieur jeune couloir vrai, problème qui gagne dans secteur politique dominicain, il vient faciliter monsieur river président. Mais tête Boulos gros en 2020, le Abinadel élu comme président de la République. Boulos dit faut que le président tout dans le pays d'Haïti. Boulos monte, troisième vrali, qui a parlé, parole détruit pays d'Haïti. Et bien, papa haïtien, en pile monde, pas de jambe te comprenne. Complot ça. C'est un complot des Libanais dominicains avec Libanais haïtiens. Nèg sa yo font complot pour yo ret, comme si Nadjou, c'est comme si Nadjou sa yo le souveraineté peuple haïtien, pays d'Haïti ya, pas d'abgé ça encore. Haïti t'absent son pays qui vient sous tutelle dominicain avec Boulos. C'est comme ça que lié. Parce que yo pa vle comme haïtien. Yo t'a fini exterminer nous pas pile pas macon. Yo t'a faut quitter pays ensemble pas toucher terre. Parce que gros volume gang yo t'a baou, soit regarde la pas t'apprendre. Yo regarder pour yo pas au pouvoir. Ou dans qui niveau yo puissant. Yo fait gang yo rive dans dimension pareil qu'on pas ka supporter comme peuple. Mais son mission, est-ce que j'aime courir quitter. Yo pas courir quitter. Toute activité a marché net. Petit yo capable dans pays ya. Mais toute activité yo a marché bel et bien dans le pays. Pendant que vous-même, y a tout yo, y a kidnappé, y a assassiné. Et bien justement, bataille ça, l'idée déclenchée, gagne un docteur Claude Joseph qui continue à faire résistance bon côté, en face autorité dominicaine. Yo. Et un pile haïtien continue à faire résistance sous frontière là. Mais seul monde nous capable que non a fait toller dans tous les médias et en dedans le pays là, qui c'est la République dominicaine. C'est seul docteur Claude Joseph qui continue à parler de dossier ça. Et à nous essayer tendre des citoyens dans zone nan qui t'a parlé ensemble avec un journaliste qui t'a essayé tendre de l'alliance moun yo. À nous tendre qui ça que t'a dit dans espace ça. Mais tout d'abord, permettez-moi et dis nous bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de qui côté qui l'a tendre nous et regarder nous. Encore une fois, son plaisir pour moi pour que m'ensemble avec nous sur plateforme Panoua qui c'est plateforme YouTube. Info bientôt. À nous garder ça tout d'abord et puis nous tourner dans quelques minutes. Bonsoir. Bonjour à tous. Dépendamment de l'heure que nous avons la chance de garder et
vidéo, là, quand on a regardé là, nous en direct, depuis le canal irrigation dans la rivière Marsac, là, quand on a mis, nous avons dit que c'est une métrophe en Haïti avec la République dominicaine, il y a un point de métrophie au niveau du département de Slan. Et bien, je dis à mon équipe journaliste qui sortit tout partout et jugé était nécessaire pour nous capables de faire une visite. Notre travail ici, là, un travail noble qui m'a demandé appréciation et encouragement pour côté chaque citoyen et pour côté l'État haïtien. Eh bien, je dis à c'était nécessaire pour nous venir faire un coup d'œil comme journaliste qui a une mission formée, informée avec distrait. Et moi, profiter de saluer l'ex-premier PDG de TV qui est là, Slan Joseph, qui est avec nous dans la caméra avec Félix Santo. Et tous tes amis internautes déjà avec nous, pas oublier et continuer à partager la même projet pour encourager plus de monde venir suivre cette affaire là. Là, la regardé là, nous exactement devant la rivière Massac. La rivière Massac qui partageait Haïti avec la République dominicaine. Et l'espace que regardé là, c'est l'espace qui logeait pas que du ciel de vie. Qui sont espaces qui pour. Mais une information que nous besoin et l'autre bord c'est espace qui loger audio parc industriel Côte de Vie. Là nous dit parc industriel Côte de Vie, n'a faut qu'on est que c'est une côté que gagne des politiciens haïtiens qui investit gros tonton l'argent dans espace ça. On continue tendez et frère Lan capé expliquer alors qu'a plus de détails parce que il était sur les lieux. L'état haïtien. Malheureusement, je dis, à cause de ce blesse qui est dans l'État, les paysans qui vivent en pleine, pas Marie-Barreau, trouvent une situation difficile pour être capable d'utiliser même rivière ça, à côté que la République dominicaine déjà prend des dizaines de prises sur nous. Et bien, je dis, nous décidons pour être capable de prendre une visite et si nous regardons l'espace-là, son espace qui l'État est à de prendre disposition pour bail planter accompagnement et pour engagement pour être capable, en quelque sorte, de ce canal là. Mais finalement, c'est les citoyens haïtiens qui prennent engagement avec propre volonté pour finir le travail. Espace n'a pas gardé là. Nous, exactement dans la zone franche. Au niveau du département de l'Est, mais là, n'a pas gardé là. Nous pouvons venir sur le canal exactement. Et nous sommes capables de remarquer qu'il y a plusieurs pays qui sont là. Qui était vigilant parce que je n'ai pas de support pour l'État ici. On travaille pareil pour repenser à. Et nous sommes capables de constater que il y a un gros vent, et parce qu'il se passe là, il y a un vent qui a venté, le micro n'a pas capable de gérer le dossier ça. Je pense que nous sommes capables de prendre avec petit patience, parce que l'important, c'est l'explication que frère Lan a baillé, parce que il y a un espace là. Li important pour que nous te fait alors tant d'li et pour nous comprendre effectivement ça qui a passé sous rivière ça parce que c'est ça qui concerne chaque haïtien et m'a salué monsieur qui te prend courage à des bras qui te déplacé effectivement qui t'a parlé ensemble avec paysan yo moi féliciter yo pour ça justement nous même li important pour que nous continuer faire travail yo hein, river plus loin pour que haïtiens qui vivent dans la diaspora capable ouais et qualité de travail que de haïtiens alors de haïtiens mettent ensemble pour faire pour aider tête par rapport pendant que l'État existait il des cob taxes qu'il a payé mais l'État a abandonné complètement mais on a décidé de prendre courage à des bras pour faire un travail pour regarder comment yo ta va joindre et petit de l'eau OK pour ta planter jiri dans pleine Maribao en avancé. Chaque vendredi, chaque lundi, cap une vendue, pour pas t'abonner, pas de pique.
alors que nous avons même chose pour nous, eh bien, nous-mêmes comme citoyens qui ont mission pour accroître la population, eh bien, comme petite malheureuse, nous avons mis sur place pour nous venir visiter le gros travail ça a fait là, dans le canal d'irrigation de Massacre. Il y a plusieurs paysans qui sont avec nous, nous avons des chances pour parler avec vous. Et parce que nous connaissons dans le contraire, qui est difficile de rencontrer, comment on fait aboutir avec le travail ça. Et je dis à nous, c'est comme ça, si nous avons des gens, c'est que nous avons percé déjà. Mais n'importe quelle position pour nous dire que son travail qui a commencé depuis le président Jovenel Moïse. Très bien. Il a commencé le projet après le président. Eh bien, tout le bagage vient camper par rapport à côté l'État haïtien. Et je dis tout pour nous apprendre qui ça a fait, qui ça a passé exactement, qui côté ça a parlé. Mais pas de personne qui connaît qui ça a fait exactement. Et bien, finalement, là, nous avons gardé ce espace-là, un espace côté que, eh bien, paysan même avec Pelle. Et citoyens, bonjour, nous sommes contents de saluer vous dans le micro avec caméra. Là maintenant, nous avons un citoyen qui est dans l'espace-là, qui va le bailler une petite explication et comment on commence ce travail-là. Et j'espère que nous avons une patience par rapport à ce son. Nous connaissons Lyon en plein air, d'accord, c'est un espace qui a pile vent, qui a venté là-dedans. Et bien justement, micro n'a pas de capable de gérer et pour être capable de ne pas prendre brillant. Et, mais normalement, le travail a fait quand même, mais si vous faites effort, c'est des déplacements pour permettre aux paysans, aux jeunes images, les images sont extrêmement importantes pour Haïtiens et justement qui vivent dans quoi l'extérieur paysan, capable de comprendre effectivement quelle qualité de travail que Haïti est capable de faire, de mettre tête ensemble, qui gens qui sont capables de tête. En autant des citoyens, ça, effectivement, qui étaient sur les lieux et qui t'abaillent des détails, qui gens qui te prend l'initiative, ça, comment commencer, qui décision que tu prends, qui l'a prend, qui pression que tu subi, bon côté autorité locale et autorité dominicaine. Et en autant des citoyens, ça, qui se moun, et dans plein temps, qui expliqué. Madeli, et tu as commencé dans le processus ensemble avec le ministre Mimoz, le ministre paysan. Après ça, il y a eu l'agriturance qui était sous lui par rapport à l'ancien président défunt. Ça veut dire ça nous-mêmes en tant que peuple dans plein de Maribaou, nous n'avons pas supporter encore. Peuple était réuni dans le marché et dans la conférence pour dire nous-mêmes. Et nous sommes venus ensemble avec Madame Nadej, nous opérateur dans le travail public. Et l'LDP, c'était ça pour nous faire avec 3600 dollars. Pour gagner peuple au monde américain à Contumgaz. Et pour gagner peuple au monde, peuple dit, nous-mêmes, nous avons fait ensemble avec nous. Ils ont commencé mercredi, hier jeudi, jeudi, rivière, jeudi, 17 ans. On va parler de l'autre mercredi. Mercredi hier. C'est mercredi hier, ils ont fait tout le travail. Oui, mercredi hier, hier jeudi. Ça dit, non, un jour, nous faisons ça. Non, dans deux jours. Dans deux jours, nous faisons exactement ça avec les bisous. Et nous avons continué le travail. Nous avons continué le travail pour nous arriver dans la rivière Droplin. Et nous avons continué le travail pour nous mettre le béton là. Ensemble avec force, nous. Ensemble avec tout courage nous, en tant que planteurs dans plein de Maribaou, et nous associer nous, ça nous parle, et tout nous dit, votre nous va dépendre de la République dominicaine tout le temps. Parce que nous-mêmes, nous c'est planteurs, nous c'est de la terre nous vivons, il faut que nous cherchions de l'eau pour nous mettre. Sous descendre en bas, pour garder quantité d'irrigation qu'a perdu, son crime. Et si nous devons travailler ça, des millions, good, ils ont perdu nous. Et j'espère que nous comprenons ce que ça veut dire. Un pays, l'État, a supposé créer toutes conditions pour que un monde qui fait élevage, dans les conditions qu'il doit faire, accompagner yo. Et monde qui a planté, vous comprenez, l'État a supposé créer conditions pour que les accompagner yo. Parce que paysans yo, yo vivent de agriculture là eux-mêmes. Ils vivent de ça au planté là. Éducation petite ils fait avec ça. Paysan, il pas déranger n'importe Port-au-Prince. Mais ouais n'importe Port-au-Prince sont décidés pour barrer à tous les niveaux. Qui n'importe Port-au-Prince des Syriens, Libanais, Palestiniens, qui sont juste dans pays la Syrie. Qui côté n'importe Petionville ils viennent barrer paysans ça qui dans pleine Maribao, ils traversent là ils tombent dans en République dominicaine. Là ils investissent en Dominique. Attendez oui, là ils investissent dans secteur agricole dominicain qui côté dans coller avec frontière noire. Et puis, il est imposé pour que nous ne prenions pas prise sur la frontière là.
Li mette pression sur l'État dominicain pour l'État dominicain faire pression sur nous. Yo fait toute qualité pression sur Jovenel Moïse. Yo attaque Jovenel Moïse dans tout sens. Le président vient de contrôler que c'est des oligarques haïtiens qui investissent dans le secteur agricole dominicain. Il devine trop tard. Et c'est une bataille que Claude Joseph a continué à faire là, qui est extrêmement dure. Mais normalement, monsieur a eu courage pour le continuer à faire, qui a pile risque tout. Parce que c'est des gros intérêts. Pas oublier. Toute fatra, la République dominicaine produit, avec Glossa, qui sont dans le massacre, ils ont longé le banon en Haïti. Mais par conséquent, même Glossa, nous-mêmes, nous sommes capables de produire, même ça, vous produire, et même pire, vous produire même. Ils ne veulent pas faire le dit. Ils ne veulent pas faire nous produire. Est-ce que nous comprenons ça, ça veut dire? Mais c'est nous besoin d'autorité qui est responsable. Nous besoin d'autorité qui gagne testicule. Nous besoin d'autorité qui gagne visage monde d'homme d'état. Vous comprenez autorité qui est l'autorité. Nous pas besoin rayon fatra ta kou Ariel, chef gang sale ta kou Ariel. L'inacceptable dans pays. Pour c'est ça nous gagne là comme dirigeant. Et c'est grave le nous gagne ça dans pays. Je dis c'est seul Claude Joseph Wap gade, pendant que monsieur pas chef, monsieur pas autorité. Monsieur était passé 4 mois premier ministre seulement. OK? Mais c'est monsieur qui campé oui. C'est monsieur qui campe là, qui campe cap défendre Haïti face à avec la République dominicaine. Oui? C'est monsieur qui a écrit oui. C'est nous monsieur qui a cité dans toutes les médias dominicains oui. C'est monsieur qui est tout dominicain raciste après répond oui. C'est monsieur qui a pris toute frappe pour Haïti quand on va pas la volant oui. C'est monsieur qui vient en véritable menace pour la République dominicaine oui. Mais Ariel qui là, il dit que le pas reconnaître travail mon affaire oui. Ariel pas accompagner mon non. Ariel pas supporter mon non. L'état ici en général pas supporter mon non. L'état ici abandonné mon complètement oui. Est-ce que nous comprenons ça, ça veut dire? Je dis à nos besoins pour que nous prenions une décision drastique. Et de fait, nous apprenons que l'État qui est là par l'État panne, dirigeant qui est là par dirigeant panne, dirigeant qui est dirigeant panne, non, n'est que tout le 6 pour 7 juillet 2021. Et criminel ça, qui est en face dirigeant panne, non, qui est tout le. Et c'est criminel ça, effectivement, qui est au pouvoir, qui a fini avec nous, non, il voit fini avec nous. Dis-moi qui le, nous t'es jamais entendu, ministère, et m'a capable de dire, ministère de l'agriculture prend décision ou du moins si vous êtes venu aux paysans yo dans le département ça yo en province dim depuis 20 25 mois qui n'a fin tous les jours dans Moïse prend pouvoir dim combien fois nous te jeune un représentant ministère te venu avec paysan te venu pas la paysan yo jamais parce que ça pas intéressé du tout ça nous capable briller et ça nous capable briller production agricole là moun qui tue les jeunes dans Moïse yo pas veulent ça fait dans pays d'Haïti ou pas que doit planter. Haïtien pas que doit vivre de ça au planté. Haïtien pas que doit vivre de ça au planté. Imaginez si que nous gain prise sur rivière massacre paysan vraiment pas encadré ou capable joindre. On 3-4 haïtiens qui sont dans le battement qui dans diaspora qui réussit qui gagne des millions de dollars américains et qui doit descendre dans le battement, yo prend 100 carreaux de terre. Vous comprenez, yo prend 100 carreaux de terre et puis il investit. Yo construit gros puits artésien, OK? Mettez des usines là et puis s'attendez à tout. Et non seulement il y a des paysans avancés avec plantation du riz et puis les paysans planté du riz ils récoltent du riz ils ont tout acheté les paysans là tout passé la usine là mais on va garder pour eux c'est seul Jacquito oui c'est seul pendant m'a dit ça Jacquito go matériel l'état dans main oui matériel que mon autre besoin pour te percer canal là il nomme Jacquito et Jacquito oui Jacques Sauvé Jean il nomme monsieur oui il nomme monsieur. Mais pour monsieur ta bail matériel là où tu viens avec paysan les papa accompagne ou non et puis les Jovenel Moïse premier chien qu'elle attaque Jovenel Moïse c'est chien ça ça OK pour descend c'est un coup son pas connait bonne ravette sale bonne monde senti bonne criminel notoire en sanguiné sans pideur sans visage et pays a gain pour comprendre nous pays peuple a gon leçon pour le bail ça yo et là gain qualité comme si ça yo soit disant comme monde qui était autorité qui était sénateur mais j'espère que peuple nord-ouest là alors prend leçon ou du moins bah une réponse et bah une réponse avec criminel yo et n'a va comprendre ça et bien son façon pour me dire que il y a un pile effort qu'a fait on a continuer tendre et courage paysan yo que gens qui ont déterminé pour que continuer planter eux même parce que même que l'état abandonné yo mais ou croit dans ça ou croit que avec plantation yo est capable de tout ce que ça que trouver voir en attendant yon nan haïtien qui sont frontières là qui te prend initiative avec paysan yo et en entendant le cap parler dans micro et jeune sa yo qui t'allé et couvrir événement ça entendez trois fois nous t'a jeune quantité pour nous sauver en partie dans diria c'est tout ça yo qui motive nous dit c'est vrai l'état capable assumer des responsabilités nous même peuple la grand l'état qui met dirigeant
dirigeants qui doivent avoir une capacité pour faire ça. Nous-mêmes, grand l'État, nous prenons des décisions par rapport aux 11 prises. Et la République dominicaine qui est sous lit, nous-mêmes, nous mettons une prise sous lit et puis ça, nous camper à côté pour la irriguer l'aide Maribaou pour quantité de nous gagner, joindre de l'eau. Les voisins qui ont parti de l'eau, qui mouillent parti par eux, nous-mêmes, nous avons parti. Nous pas fait la méchanceté. Pour ce que nous avons fait dans le territoire, pour nous, le fait que nous connaissons les voisins, nous avons quitté la quantité passée. Pour ce que là, nous avons dit que nous avons fait un retard pour ne pas jamais qui passe, nous-mêmes, nous pas fait la méchanceté, nous avons toujours une quantité qui passe pour nous contrôler, pour ce que nous sommes des peuples qui sont là. Ça veut dire que si nous sommes des peuples qui sont là, nous avons cherché un job pour nous, pour vivre, pour ce que nous sommes séparer nous avons dit ça faut que nous bon fasse nous connaissons un travail pareil c'est à dire responsabilité de l'État haïtien dis nous qui supporte nous jeunes bon côté de l'État parlant des ministères de culture avec un travail bon nous qu'a dit nous pas jeune qu'un type pour ce que nous rencontrer directeur de département de l'agriculture plusieurs fois faire rencontre ensemble avec pour nous dire nous pas capable encore pour ce que plein de Maribaou, pas capable encore. Pour ce que tout ça nous plante, nous pas capable de récolter. Et ministre là, dans notre délégation, nous rencontrons le côté Jacques là. Pour nous dire, nous pas capable encore. Pour nous dire, nous pas capable encore. Pour ce que tout ça n'a fait, plein de Maribaou, nous vivons des trois bagailles. C'est agriculture, élevage, la pêche. Vraiment, vous pêche là-bas, parce que manquez de bassin, manquez de l'eau, pour permettre que parce que l'élevage là, ensemble avec l'agriculture, nous mettons en premier. Côté ces livres, vous rajoutez sous des sans bois, vous avez des bananes, vous avez des bananes, vous avez des bananes, vous avez des bananes, c'est ça qui motive plein de Maribaou, dit vous même vous n'êtes pas capable. Si vous n'êtes pas capable. Et l'important pour que nous tendez et pour que nous te fait tendez ensemble alors paysan yo qui fait travaux ça n'a pas continué encourager docteur Claude Joseph dans démarche pour que l'accompagner la paysannerie haïtienne justement surtout pour moun sa yo qui dans plein Maribao qui dans rivière Massaclan qui a essayé regarder comment l'état va prendre prise ça sur rivière Massaclan. Parce que quand m'a parlé volant la ville dominicaine exigeait Ariel Henry pour que l'al fait mon yo camper travail là. OK, parce que pour nous pas jeune de l'eau. M'a dit paysan yo, c'est la vie ou la mort. La vie ou la mort. Si soit nous jeune de l'eau ou bien nous mourir dans le tour dans canal là. C'est clair. Ça et sa parole ça que paysan yo dit qui fait me sentir bon force. Moi même en tant que paysan. L'homme moi n'est camper pour détruire la paysanne haïtienne, et ben mon chat au camp en face moi. OK, mais paysan yo clair sur ça. Yo prend engagement yo. Yo prend responsabilité pour que vrai combat ça effectivement les fait. Paysan au clair sur ça, c'est soit yo vive, yo gen canal là ou bien yo mouri nan mitan canal là. C'est clair. Et n'a dit bravo ensemble avec docteur Claude Joseph, ancien premier ministre, malheureusement pendant 4 mois, OK, pendant 4 mois, il passé dans tête prématurée là, mais pas de gagner ça nous capable briller. Yon solidarité pour le déjoindre, pour le sentir que quelqu'un force et quelque part son pouvoir, qu'un président assassiné, qu'il doit jouer une solidarité tout le gouvernement. C'est un gouvernement qui était mixte, vous comprenez, c'est un gouvernement mosaïque, ok? Côté qui était, c'était tout secteur voleur, criminel, assassin qui n'entourait président, qui était mettait ministre. Mais c'est gardé Claude Joseph, t'es gardé. S'il déjeune 3 ou bien 4 ministres, bon côté, c'est ta chance. Majorité n'a gueuté dans tout le président. Et chef police, vraiment, pas de vraiment gain contrôle. Et Claude Joseph font déclaration sous Léon Charles. Qui fait moi-même m'a réfléchi en pile. Monsieur dit, Léon Charles, tu connais que Badjo parlait avec Ariel. Léon Charles pas dire ça. Mais est-ce que Léon Charles te connaît à temps? Je ne pas connaît. Mais il dit, Léon Charles pas dire ça. Bravo. Avec docteur Claude Joseph qui continue à faire combat ça. M'a dit docteur Kembela, continue, mène lutte là. Parce que la paysanne haïtienne sentit que effectivement, ou campé bon côté yo. Ou ap goum ansanm avec yo et peuple ça c'est pas moun ki janm et blié ça que moun fait pour yo et son peuple qui reconnaissant justement bien que il vinn faire peuple ça raï moun k'ap fait pour lui mais son peuple monsieur que qui reconnaissant
Et bravo docteur Claude Joseph, continuez mener combat. Nous ouais, en pile bail qui écrit et nous ouais, ben moi, il revient massacre, conflit Haïti, la République dominicaine, Claude Joseph défend Haïti et clarifie les faits. Ben moi, une nouvelle tension diplomatique entre Haïti et la République dominicaine autour de la rivière massacre. La République dominicaine demande à Haïti d'arrêter les travaux en cours. Et c'est ça que la République dominicaine demande. Faut qu'Haïti campe les travaux yo, et c'est respectant monsieur. Exiger même fait pression sur le gouvernement criminel là pour que la République dominicaine pour qu'Haïti campe les travaux yo pour ne pas continuer faire travaux. Docteur Claude Joseph continue mener combat parce que moi non en dans pays là toutes médias dominicains sont seules paroles qu'a parler et sont seules paroles qu'a parler c'est docteur Claude Joseph. OK? Et c'est docteur Claude Joseph cap cité comme moun comme véritable opposant avec décision que Dominique yo envie prend pression qu'il a metté sous gouvernement haïtien pour que yo ta fait paysan yo camper travaux yo et bataille l'a continuer docteur Claude Joseph et continue mettre testicule dans fait sous connaît que son combat est chargé son gros bataille en face des oligarques haïtiens qui mélangent avec des oligarques dominicains et mais pour détruire un peuple et ben ou même là camper pour éclairer antenne peuple ça prend défense peuple ça connaît que ou en face des assassins notoires des criminels sanguinaires vous comprendre qui décide de prendre tout son pays en otage Kembe la, docteur Claude Joseph, ou pas pour contou, et peuple haïtien pas quitter ou pour contou. N'a pas continué mener combat. Voilà, maintenant, jodi en la même, dossier Guy Philippe la prend l'autre dimension. Genye yon avocat qui gen pile courage à plusieurs reprises. Pardon, à plusieurs reprises qui fait des déclarations. Monsieur, jodi en la, monsieur, annonce de gros bagay. Dans ça qui est pour avec dossier Guy Philippe Lan, en nous garder si nous avons attendu avocat sénateur Guy Philippe Lan qui te prend la parole aujourd'hui à la même dans le micro, la presse en ligne. En nous attendu et en nous attendu jeune avocat qui c'est avocat sénateur Guy Philippe qui a annoncé des bagailles. Parce que gende, alors un appel qui était lancé pour que tout haïtien en général prépare yo le 7 pour aller rencontrer Guy Philippe dans l'aéroport international Toussaint Louverture là. Moi-même, personnellement, m'a invité tout ancien militaire. Pas besoin de dire plus. Ancien militaire, m'yo. Ancien militaire, m'yo. M'invite nous. Dans ça que pays d'Haïti qu'on est là, nous besoin yon Guy Philippe. Après, n'a redéfini tout bagay. N'a repensé tout bagay net. Mais dans ça que n'a est là, nous besoin yon qui capable de manger un qui capable accepter ça qui est là. Aussi simple que ça. Que tout Haïti prend engagement, yo. Pour défendre Guy Philippe dans toute intégralité, pour que Jocelyn Brivère, Nenel Kassi, et puis équipe oligarque n'ont pas assassiné Guy Philippe. Et me dit nous, ça capable de déboucher son véritable guerre civile. Veillez en haut, veillez en bas. Et faites attention. Entendez, citoyens. Tout le monde a fait. Moun li la voix. Moun bédé. Moun qui yo bandi mette de yon la kayo, n'apten yo tout nan aéroport international pour nous recevoir sénateur Guy Philippe. En chair et en os. Pour la vini continuer bataille. Comme de quoi, 7 septembre. Maître Richard, mais qu'il y a des informations qui ont fait quoi depuis le sénateur entré dans le pays d'Haïti, DCPJ a posé la patte sur lui parce qu'il y a des plaintes qui étaient déjà déposées contre lui dans le pays. Écoute, nous autres avocats, nous ne sommes pas des imbéciles. C'est soit une science, avocat, pas qu'il y ait des imbéciles. Nous ne sommes pas contre vous, soi-disant journalistes, toujours pas lire. Écoute, tout ça, la loi dit nouvelle. Pas oublier, nous dit nous détenteurs d'un certificat de tribunal première instance de Port-au-Prince. Nous détenteurs d'un certificat émané de tribunal première instance, Gredence. Nous gagnons Sud. Nous gagnons NIP dans mes noms. Et nous avons écrit de CPJ. Et je dis au plus tard, certificat de CPJ dans mes noms. Donc, comment on a dit que tu as une plainte qui t'est déposée contre le sénateur? Plainte t'est déposée puis tu es arrivé à l'élection, lui élu, lui entré en fonction, pour te plaindre ça au passé. Pendant 6 ans, nous avons boumé avec le sénateur Guy Philippe. D'ailleurs, nous toujours dit la défaite du droit est provisoire. Est toujours provisoire. Vous citez nos deux mondes qui n'ont pas de croire dans la libération du sénateur. La forme dit que nous ne pouvons pas parler d'éthique professionnelle. Pour dire aux gens sans éthique professionnelle, il faut que ce soit monde qui apprenne nos bagailles. Mais deux mondes sont sortis de ne pas apprendre rien. C'est juste dans une petite chambre et puis dans une petite caméra et puis à voir monter.
ne pas éterniser ce genre de monde. Je ne vais pas parler de l'équipe importante. Songez bien que nous avons dit nous avons pile monde jusqu'à présent qui connaît que le sénateur Guy Philippe est interpellé pour question de dos. Et nous avons toujours dit sénateur Guy Philippe n'a jamais interpellé pour question de dos. Songez bien que il y a des gens qui dit que Haïti a signé un accord avec sous préval avec Mme Albright en 1997 pour te permettre étrangers d'entrer sous sol pour venir haïtien, nous-mêmes nous dit non. Et nous voyons nous regarder dans le moniteur numéro 59. Accord qui était signé entre René Garcia Préval, le regret de mémoire, et Mme Albright en 1997, dit que pour aider Haïti, goumen contre trafiquant de drogue, les États-Unis ont intervenu seulement en mer. Et il n'a pas jamais dit question pour moun entrer sous sol là pour venir prendre un haïtien. Or, article 276 Constitution li dit automatiquement que yon pays ta vin signé yon traité, yon accord, yon convention qui placé au-dessus de constitution li nul et de non avenu. L'en aller plus bas, dans l'article 8, on dit comme ça que aucun haïtien pas qu'à déporter ça pour forcer le quitter pays pour aucun motif que ce soit. Donc nous kawè, sénateur Guy Philippe, c'est ton sénateur en fonction au regard de l'article 95 de constitution qui te fait de sénateur en sénateur et lui est entré en fonction. Nous voyons que les gens ont gâté à Pence et puis ils ont enlevé le sénateur et ils ont emprisonné aux États-Unis. Mais arrivé aux États-Unis, là on dit que nous allons juger pour question de sénateur a dit pas de problème, c'est vous devez nous aller. Là nous allons et puis imaginez qu'on a dit que nous allons pas sénateur nous allons juger pour blanchiment des avoirs. Sous qui ça sous un prétexte que tu as un certain Sony Désir qui t'est transféré de la Soge Bank via First Union Bank aux États-Unis. Qui dit que lui était transféré 100 000 dollars américains sous compte sénateur Guy Philippe. Or, dans son G-Bank, à partir de 10 000 dollars, où je dois supposément de provenance fonds, c'est pour l'une des raisons que tout n'a signé la son G-Bank. Parce que, un, pour son G-Bank, dis-nous, qui l'heure, qui jour, qui date que vous avez transféré et 100 000 dollars américains sous compte sénateur Guy Philippe de la son G-Bank via First Union Bank. Là, on dit nous allons juger pour blanchiment. D'ailleurs, pour blanchiment, pour condamner pour blanchiment des avoirs, premier soir fait, vous saisissez bien. Vous saisissez bien, sénateur. Sénateur, il y a Canel jusqu'à présent contre banque aux États-Unis. Vous n'avez pas saisi. Kylie, vous n'avez pas saisi. Et vous dites, il est condamné pour blanchiment des avoirs. Donc c'était un complot qui était monté de toutes pièces. Mais malheureusement, il y a des gens qui pensaient que le sénateur a été à vie dans la prison. Mais nous avons toujours dit, la défaite du droit est provisoire. Nous autres, nous sommes esclaves de la loi. Nous avons la loi comme boussole. Nous parlons là pour nous faire du coq à l'âne, même avec certains journalistes véreux, qui ont pris un corps nommé des politiciens véreux, pour tenter sale image d'un sénateur. Et c'est bien compté, mal calculé. L'un d'après des journalistes, soi-disant journalistes, qui a dit que il y a plein qui t'est déposé au niveau Grand Sud pour sénateur. Mais pas oublié, dossier est allé au cabinet d'instruction, arrivé au cabinet d'instruction, sénateur a été présenté, et nous avons un certificat dans nous. Je dis là. Tout le monde qui met dans la tête, Haïti pas qu'à changer et n'a pas c'est menti. Parce que nous autres, en tant que lumière société, nous pas là pour nous gommer à qui que ce soit, nous avons seulement la loi comme boussole. Mais il y a un peu de monde là qui espère que entre les sénateurs sont capables de sauver les pays, notamment pour les capables de faire pour que les pays bataillent en face de mettre capable de problème. Ma blanche, c'est qui appelle ça. Malheureusement, c'est. Nous sommes à la fois peinés et attristés. On a regardé la situation de Mounka Foufeuille, et pas seulement Mounka Foufeuille, Mounka Rade, Moun Tabar, Moun Lilavoie, Moun Bédé, Moun Matissan, où est tout le monde ça aujourd'hui, c'est courir à courir. Pour qui ça? Parce qu'il y a une insécurité dans le pays. Son insécurité planifiée. Et insécurité tellement planifiée, aujourd'hui, on a regardé le commissaire gouvernement actuellement là, qu'on a, les doubles sécurité, premier ministre là. Double sécurité, tout ministre double sécurité. Je dis là, c'est le peuple là qui livre à lui-même. Message m'a placé pour le peuple là. Le sénateur a toujours demandé l'État pour expliquer le sénateur ensemble des c'est un dossier que nous avons plaidé contradictoirement au niveau du supérieur des comptes et du contentieux administratif. C'est Maître Ossini faire juste et nous autres, Maître Richard Jean-Joseph. Nous avons plaidé dossier. Jusqu'à présent, nous déposer pièces parce que c'était lecture différentes mémoires qui étaient déposées. Malgré que l'État, via la DGI,
à chaque fois qu'on a échangé écriture, ils n'ont pas échangé avec nous. Mais nous avons non seulement déposé dossier, mais nous avons baillé une mémoire supplétive. Donc nous attendons jusqu'à présent verdict final. Très bien. Voilà, c'était avocat, sénateur Guy Philippe, qui a pris la parole devant micro la presse en ligne jeudi dans la Cour pays d'Haïti. Et justement, l'important pour que l'appel à l'île lancé. Alors, sénateur Guy Philippe, après entrer dans le pays le 7 juillet. Alors, pardon, le 7 et. Septembre, nous étions environ, nous étions environ 3 jours là pour que le sénateur arrive. Ça veut dire dans quelques jours encore, le sénateur Guy Philippe a pris un avion pour rentrer dans le pays d'Haïti. Nous avons tout le monde qui est dans la rue, ok, Delma 2, qui est dans la rue Chadmas, qui est dans la rue Riel Chavan, qui est dans la rue Kibandi Mette de Ola Kayo, tout le monde qui était victime, qui est famille victime dans Canaran, nous sommes que sénateur Guy Philippe pour solidarité, le sénateur, alors, pasteur Marco, effectivement, qui tentait de faire mouvement qu'il te fait à qui nous pouvoir traquer lui, eh bien, peuple haïtien, il est important pour que, effectivement, nous, tous haïtiens en général, qui a souffert de phénomène gang, eh bien, pour nous porter solidarité, nous pour nous rencontrer Guy Philippe dans l'aéroport international, Toussaint l'ouverture là, parce qu'il est extrêmement important pour que nous joignons un monde qui est capable de faire face carré, enfin, ensemble avec chef gang sa, qui a tout pisé, qui a kidnappé, qui a violé, qui a tué, et gens sa fête là, depuis plusieurs années, dans la Coupe pays d'Haïti. Bataille là, continue, et déclaration sénateur Guy Philippe là, son déclaration tête chargée, qui va en pile que sauter, en pile n'a gain problème. Et m'a dit ça encore une fois. Déclaration Guy Philippe là, fragilise question. Là, Guy Philippe annonçait que il apprend que des gens qui sont dans le pays qui ont fait complot pour assassiner le rentrer. Guy Philippe dit qu'il a vini et il a rentré. Vous comprenez ça veut dire? Il a rentré les gens qui doivent assassiner, il a vini et assassiner. Il y a une grande dimension Guy Philippe. Guy Philippe qui a des gens qui ont en Haïti. Et ma bonne dimension qui est extrêmement fort. Nous avons pile zam. Ou pas madame qui sa Guy Philippe, ils sont militaires. Guy Philippe a pile zam tout. Et Guy Philippe a même réuni zam qui a tout le monde dans le pays d'Haïti pour le faire goumer contre nek sa yo qui a tout le monde dans le pays d'Haïti. Ou pas la fond idée. Ou pas la fond idée. Nouvelle libération Guy Philippe dérange donné yo. Li change donné yo. Gan pile calcul qui a fait. Et seul moyen nek yo wè, c'est assassiner Guy Philippe. Et Haïti pas qu'à quitter sa fête. Haïti pas capable de quitter sa fête par n'importe qui moyen. Quelle que soit tentative qui t'a faite pour attaquer Guy Philippe, faut qu'Haïti file manchette pour défendre Guy Philippe dans des dimensions. Et il clair. Faut qu'Haïti file manchette pour défendre Guy Philippe dans des dimensions. Parce que je dis, faut que nous commencions prend des positions qui claires. Le nous gué des moun que nous suspect qui capable de camper pour aider une fois bataille, mais faut que nous camper pour nous défendre yo dans dernière dimension yo. Et c'est ça que pas de fait malheureusement sous Jovenel Moïse qui cause n'a gon facilité pour assassiner président Jovenel Moïse. En outre de dernière déclaration sénateur Guy Philippe qui était annoncé effectivement la rentrée. Attendez ça. Il me connaît petit, il me connaît fait un groupe moun pour Haïti a crason pays, y a sous son pays, y a fout moun panique, fait moun peur. Yo vann mwen ba en blanc sans dossier sans rien sans preuve. Y a arrêté m sans mandat sans rien. Yo livré m ba en blanc. M fin fè temps m ap rentre dans pays m kounya m tande privé Daniel Kassi comme l'autre là Camille droit on qui corrompu. Pensez que yo k'ap paniquer m. M ap rentre dans pays m. Lè pou m rentre ya. Et tout moun ap konn ki lè m ap rentre 2 jours avant. En fait tout moun konnen a ki lè nan ki vol m ap rentre. Si nèg yo vle yo touye m. Il y a une chance pour vous parce que je ne peux pas faire bac devant vagabond qui a crasé le pays. Comment vous me faire croiser bras pour quitter vagabond qui a crasé le pays comme ça? Si vous n'avez pas à l'école, vous n'avez pas à l'église. Regardez comment une équipe innocente a marché, comment vous assassiné. Parce que je pense que c'est le seul monde en Haïti qui dit que vous êtes plus d'arrivée haïtien. Au moins, il essaye, au moins il pense. Au moins il reconnaît que c'est intolérable. Si ça arrive, tout le monde va mourir. C'est parce que. L'État n'a pas de responsabilité. La police n'a pas de responsabilité. L'armée n'a pas de responsabilité. La société n'a pas de responsabilité. Alors qu'on y a là pour l'homme qui veut montrer dans le pays,
pays besoin et pour vagabondadim m'pas ka rentrer si moi rentrer y a pas attaquer si moi rentrer y a touyer et bien a gagne chance pour touyer parce que m'a rentrer et m'a faire connait qu'il m'a rentrer si kounya c'est pour tout le monde de bien caché pour guider vagabond dans pays ou bien si monde de bien mettre tête dehors pour dire vagabond stop yo rive trop loin parce que le temps pour chaque haïtien prend quand yo pour décider ça vous voulez faire ou bien n'a accepter Haïti entrer dans fond pour y a fouer là ou bien nous même n'a camper comme un garçon comme femme pour nous dire non ça arrive trop loin ça pas continuer il y a tout il y a pas assassiné avec elle m'attend yo quand me connaît peuple haïtien pas prendre tout bagarre dans même monde tout temps le arriver pour chaque monde grand quand yo. Voilà, c'était déclaration Guy Philippe effectivement. Et pendant qu'il est en prison, quelques jours avant que lui sorti de prison. Dans le pays États-Unis d'Amérique, Guy Philippe continue et a bike sauté. Guy Philippe a bike sauté parce que monsieur y a un problème par le fait que Guy Philippe annoncé retour lui et son bike qui normal lui, bike qui normal. Il a dit monsieur yo, et nous pas assassiner tout le monde. Nous mettre calé quand nous fait ça nous voulez, gon côté nous river limite tout hier là pour fini. Limite pour tout, il y a chaque monde qui nous a problème ensemble avec là. Chaque monde qui nous pense qui est capable de freiner nous sur route qui n'a fait pour nous détruire Haïti, qui c'est tout pour nous tout là. Limite ça, la prison côté l'a fini. Elle doit finir. Il nécessaire pour qu'elle finisse. D'accord? Faut que tout Haïtien font façon pour que ça finisse définitivement. Parce que n'est pas logique pour que des nègres organisés tout le monde dans le pays sans condition, OK? Et sans condition comme si tout le monde avec toute quiétude en est pas privé. Yo. Vous comprenez? Faut qu'Haïtien organise pour que ça les suspende en dans le pays. Parce qu'il n'est pas logique, il n'est vraiment pas logique. Et n'a continué bataille et m'a continué de dire tout monsieur et ancien militaire, monsieur continue à mobiliser, préparez les âmes nous tout, parce qu'il me dit ça très bien, il me dit ça bien fort, préparez les âmes nous monsieur pour que nous défendions Guy Philippe dans dernier goût, jusqu'à dernier goût de sang. Ok? Préparez les âmes anciens militaires, militaires qui mobilisent, démobilisent, préparez les âmes nous. Je ne vais pas jeter dans ça. Le pays en difficulté, mais il faut qu'il y ait des gens qui sont capables de prendre les armes pour défendre le pays. Nous ne sommes pas en guerre avec l'autre pays, non? Un groupe de notre pays a détruit le peuple. Et puis, quand un groupe de monde pour défendre, nous sommes prêts pour faire tout le complot. Mais c'est comment ça passe? Comment ça ne pas parler et qui doit faire en Haïti? Mais c'est qu'il n'a pas d'autorité qui est légale là. Pas de qui joue une légitimité peuple là, que peuple là baille pouvoir. Soit qui vole, soit qui assassin. Et quel que soit le monde qui prend les armes pour combattre Nexayo, ou foot légal. C'est ça qui est important. Ou j'ai une légitimité, peuple. Quel que soit le monde qui prend les armes pour combattre Nexayo, qui a des armes dans le pour tout le monde dans le pays, qui prend les armes pour combattre Nexayo, ou j'ai une légitimité populaire et de fait, c'est au chef là. Fini samedi là. Et c'est clair. Et c'est pas ça qui va jamais parler, qui cause nous à l'exemple pays. Nous allons jamais sentir nous vraiment menacer. Ok? Ok? Il est important. Parce que je dis à ma petite dit monsieur, ça, c'est ce qui a ceux qui volent, ceux qui assassinent, qui tout un président, qui prend pouvoir. Il faut que des gens qui sont capables de prendre les armes, qui pour défendre le pays. En face comme ça. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Il faut que des gens qui prennent les armes pour défendre la nation. En face voler, en face assassin, en face kidnapper ça. Une équipe méchante, une équipe criminelle, qui a tué mon pays dans des conditions pareilles. Et puis nous pensons comme si Simdadjou, pas que personne qui a besoin de regarder dans les yeux. Mais ce n'est pas possible. Faut que vous m'aille faire quand même. Et pas n'importe moi. Et c'est ça que nous peur avec Guy Philippe. Parce que nous connaissons que, effectivement, Guy Philippe a jamais croisé bral pour la garder, nèg a kidnappé Moun Pestel, la Kaili. Sous Matissan. Nous connaissons que Guy Philippe a jamais croisé bral pour la garder, Moun a kidnappé Moun Mouron, dans Matissan. Nous connaissons que Guy Philippe a jamais campé pour la garder, bus, Dieu qui décide de payer l'argent pour passer sur Matissan. Nous connaissons que Guy Philippe a un leadership enragé qui a foutu contrôler tout territoire et capable de faire un mouvement contre criminel qui a eu pour débarrasser pays à des groupes gangs. C'est ça nos peurs. Et c'est ça qu'a fait tout. Il doit faire. Parce que nous vivons un moment pour qu'il le fasse. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, nous méchants trop, nous criminels trop avec un peuple. Un gang sale. Un assassin nous trois. Même ça, tout le monde gradance. Qui déjà mobilisé et commencé fit ensemble avec nous depuis dernièrement,
moi que l'ambi nous commence à connaître bambou yo commencé et fené on comprend nous commencé allons nous passer bambou au soleil l'ambi yo continue passer au soleil préparer nous on comprend préparer race nous préparer tout à fait nous préparer homme nous clairer nous pour nous prendre plaisir nous pour nous prendre plaisir nous et avec Guy Philippe recevoir Guy Philippe en pimpant on comprend recevoir Guy Philippe en pimpant c'est lié important et messieurs c'est des gangs qui oyé c'est des criminels qui oyé mais faut moi dis ça très bien faut Guy Philippe connaît que messieurs c'est des criminels sanguinaires. Yo sans pitié. Faut Guy Philippe connaît que son groupe qui assassine le président de la République. Kap dirige pays là. Et c'est yo qui met chef police gang yo là. Faut Guy Philippe met testicule dans fesse li pour qu'il arrange alors prend responsabilité li. Et ça qui passé là, nous pas quitter le continent passé. Que Guy Philippe continue mettre testicule dans fesse li pour battre la fête. Et nous pas capable quitter assassiner Guy Philippe. Il t'a grave oui. On est facile monsieur pour nèg monsieur. Oh monsieur, on me dit nèg yo. Nèg yo chita son groupe gasoline qui tout débouché. Et puis nèg allume pipe li passé, li passé briquet li allume li, la fumer cigarette li. Mais c'est n'a pas joie du feu monsieur, n'a pas joie du feu. Pep ça gon bagaille pour le faire dans pays ça monsieur. Depuis c'est nèg ça tellement gros coûte manchette dans pays ça. Moi-même franchement, moi-même attendez bien, et pas moi-même, et pas moi-même. Nous qui pouvons subir ces bagages dans le pays ça comme des criminels sanguinaires, comme des méchants, ok? Nous qui pouvons subir ces bagages dans le pays ça, bande gang sale ou qu'on est en. Bien, reste là pour nous. Reste là pour nous. Gon information qui fait quoi que gon journaliste, et tu ou dis ça non, qui manquait mourir, et en nous faisant entendre qui s'est passé. Nous avons tourné sous le dossier Guy Philippe là, dans la dernière partie de l'émission. En nous t'en dit ça tout d'abord, pour nous traverser avec l'autre chapitre. Non, Bocus. C'est pas ça, je prends de l'eau chaude déjà. Moi, de l'eau froide, je pose. Oui. Mon blocus, samedi à ce boudon. Bon pour Mathieu. Bon Ariel. Vous t'avez bloqué totalement. Bon, ça que t'es gagné. Samedi. Samedi après-midi, bloc 3 heures. Bon, là, on est, M. Lontoxon, ancien site Toxon 2005. Monsieur Lontoxon gris. Et puis, M. Bonnard Boavoli. M. Ouak, tout le monde n'a pas de personne qui sorti de tête. M. Nick Paret lui-même, M. tout prend l'autre bois pour monter. Il n'a pas de bois là. Mais pas de bois déplacé. Parce que ça crivelle, tellement que la machine qui descend, il n'a pas de bois pour monter. Il n'a pas de bois pour monter. Il n'a pas de bois pour monter. Quand la machine qui descend, il vient. Il a gravé blocus. Comme quand il était là, il y a ton tige là, la machine n'est pas de bois côté. Mais il n'a pas avancé lui-même. Je ne parle pas avec monsieur, bref, monsieur descend, monsieur a 4 timons dans la machine. Je me dis, monsieur, quand est-ce qu'il y a des victimes en danger, ou prend un boss pour monter. Quand on a mis dans le frontier avancé, qu'on a là, il ne vient pas, quand on a avec mon corps, il vient légèrement plus devant, qu'on a mon plaque. S.E. Non, ancien plaque. Automatiquement, mon équipe, l'ancien plaque, là, mon policier. Monsieur, en civil avec 4 timons. Mon équipe, on me dit, ah, policier qui a fait des ordres. Automatiquement, quand on a un exa, Zamni en badel, la fond de Jamni, sous coup de machine. Oui, l'y pour tirer n'importe qui vient en face là, pour ne pas faire de blouse avec elle. Ou bien, moun qui l'a l'autre, s'il veut entrer, on va l'entrer. L'y prêt pour tout. Non, il y a retenu. Ah ah! Retenu, il y a eti moun yo. Il va faire ça devant eux. Ou fou net. N'y a la fouvre. Ou fou net. N'y a pas prêt à tout, ça dit soit à tout fait lié. Ou à tout autre bagage, c'est beaucoup caché, je le paye, il y a beaucoup de pays. C'est un policier ou un civil ou la machine privée ou pas police? Non. Ou pas aucun ou pas aucun bagage ou presser parce que sous presser ou la machine l'état, machine la police là. Ou pas bien police, ou la machine la police là, qu'on a une priorité tout pour la pouvoir. Les gens sont VIP. Là. Mon machine privée petit ou bien m'a connait petite famille ou. Ou on bloque ça mon machine ou on bloque ça même à tout le monde. D'ailleurs, Michel Boulet l'on plaque ancien plaque. Pas qu'on police qui a mal contre l'invention, il va balil tout. Tout notre pays n'a pas qu'à sortir dans des autres salles. Pays pas fait comme ça. C'est en Haïti pour un policier permet de faire ça. Il n'y a pas qu'aucun policier, aucun autre pays qui a fait ça. Machine nous fait pour régulariser. Ou même qui police, c'est ou même pour machine régulariser. Monsieur Bonvier plaque qui passait. Pas qu'il y a monde qui plaque ça encore. Moi, la sac dit monsieur Bonzé Mendoy. Non, mais qui s'est passé sous fusion, on va venir retirer la plaque là. Parce que plaque ça pas à la mode encore. La nèg ça c'est à tout. Et non, pas que ça me déprend le problème avec Udmoa. On va être comme ça. Mackenzie, on va être bien.
Oui, son mari comme ça, oui. Monsieur prend l'autre bois pour lui, qu'on a les machines à pas marier, qu'on a mis à bouver sur moi. Moi, je me campe, je me bats contre mon café. Ou mon gros blocus. Moi, je dis, monsieur, à mon cher. Pas grâce à machine, moi, non, monsieur, taxé, je me arrivis. Oui, monsieur, dit arrivis, je me dis, monsieur, bon, quoi? Je me dis, monsieur, chef, non? Parce que je me bats l'habillé. Oui, c'est deux bails, oui. Leur travail, ou excusez, en parenthèse, ou voulez affaire, ou voulez protéger, parce qu'on travaille dur pour gagner son gain et deux bagailles. Ou arriver sur matérialiste. On a monsieur dit, arrivez, je me dis, monsieur, bon, pourquoi ça arrive là? Ou pour ou pas carré, on a dit, ou coucher sur moi, ou pas coucher sur moi. Ou quand on dit, bon, entre là, et puis moi, je ne vais pas avancer, je vais entrer si je veux. Je me dis, monsieur, mon pas dit, arrivez, c'est quoi ça? Voilà, ça que monsieur peut expliquer, moi-même, je vais comme ça. Qui était passé dans ma 33 on l'a. Et yon policier sur machine, eh ben, m'sa fait des ordres dans la route là, n'a fait des ordres, n'a fait des ordres. Malheureusement, le croisé en motocyclette là, juste fauté machine, monsieur. C'est tout à les amener, les bails et jeunes garçons ont cartouche dans la tête, les fils et jeunes garçons. Fils et l'ont cartouche dans la tête, jeunes garçons ont été tout mourus sur place. Si c'est pas bon commissariat, monsieur, c'était. Pour les policiers qui ont le premier, monsieur. Monsieur, tu n'as pas sans papier libre, oui. Monsieur, tu n'as pas sans papier libre. Et mais c'est ça. Qui est toujours fait en Haïti, qui cause nous, et on paye nos conditions pareilles. Maintenant, peuple haïtien, on nous voit phénomène gang dans le pays d'Haïti. Si nous avons l'armée, est-ce que nous tapons là? Si nous avons l'armée, est-ce que nous tapons là? Est-ce que nous pas supposé tout dans ça nous trouvons là? On nous garde ça ensemble avec. Pardon. Nous regardons ça avec. T'as l'air, bon, balancer. Et Foucault, oui. Foucault pour une base. Et Foucault cabane ou blague ça. Parce que, Patissa a une blague là-dedans, pas comprendre Patissa dans le militaire là. En nous faut-il t'en encore. C'est l'important. Bah, militaire, son phénomène. Bah, qu'on est là, nous fait comme ça. Mais, ou capable, ouais. Y'a un militaire par un jouet. Aïe, monsieur. Yon militaire par un jour. Ça, c'est président François Duvalier, effectivement, qui t'a déployé. Haïti, t'es un chef, le ça, et c'est chef qui t'a autorité. Moi-même, pas de temps vivant, et je suis vraiment désolé pour le monde qui t'a victime de nos bagailles de temps ça. Mais naturellement, par rapport à ce contexte que nous vivons là, il est important pour que nous essayions de faire tirer Haïti. On nous garde quantité nèg armé qui nous te gagné. Est-ce que si nous te gagné nèg armé ça yo? Maintenant, est-ce que nèg ça yo qui sous Matissan te capable de faire qualité de blousage ça? OK, dans pays à l'époque te gagné plus passé 300 à 350 nèg armé. 350 000 moun armé. 300 à 350 000 moun armé. OK? Nous connait ça veut dire 300 à 350 000 moun armé. Ça veut dire ça si nous te continuer. Pour le moment, quand je parle avec nous là, nous sommes capables de gagner 1 million d'hommes et femmes qui sont armés. Pas de jambes de phénomène gang ça dans le niveau lié là, négatif. Ça, c'est François Duvalier, président de Lunette. François Duvalier, qui était là à l'époque. Et, bon, c'est bon, ça va pas bon pour faire bouton là maintenant. Et c'est que tu es président Duvalier Père. Ok, Duvalier Père, enfin, on connaît que c'est le régime ça qui était pire. Puis ça dit que là, oui, d'après information. Et ce régime d'acte, puis ça dit que là. Si monsieur, Evans Paul, l'ex ça, yo pas capable de faire ça ou faire pour devenir avec démocratie, ça va à nous. C'est ça, nous tenons entente pour nous tourner pays à l'ordre démocratique, pour que tout le monde fonctionne normalement, pour avoir une qualité de boulot, ça yo. Mais venir avec une démocratie, que Libanais, bah ou, Syrien, bah ou, Palestinien, bah ou, l'Occident, bah ou, et bien quelque part, nous, c'est là pour nous mener pays. En regardant, François Duvalier. The civilian only can rule the country, not the military men. Civil seulement qu'a dirigé pays, hein, c'est pas militaire. In his barracks and receive order militaire and instruction from the president. Recevoir l'ordre et l'instruction dans mes présidents, dans mes rois, dans mes empereurs. Ça, c'est opinion pas. Ça, c'est philosophie pas. You should have a strong man in every country. Pour gagner la paix et stabilité, ou doit gagner un garçon canson dans chaque pays. C'est pas un dictateur, mais c'est un garçon. T'as bien, oui? Parole qu'elle dit,
n'a prend ça parce que ça li rive sous moi. Pour gagner la paix et stabilité dans un pays, faut qu'on dirigeant qui gagne canson en taille, un garçon canson, ou canson fait. Haïti maintenant pardon, nous besoin un canson fait. Nous besoin un bout de garçon. Nous besoin un garçon qui capable de camper, qui pour dit gang yo, c'est soit nous pote zam nan vini pour nous prendre prison ou bien nous mourir à zam nous nan men nou. Moi, chef dans le pays d'Haïti, je fais déclaration ça. Ah, tenez bien, mon chef à midi, il me fait déclaration à 2h, je ne vais pas nous mentir, pas de temps de guérison sous Matissan. Négatif. Mande Dieu pardon. Moi, oh, monsieur. Et ça, et ça cause. Tenez bien, je vais prendre toutes âmes nettes. Je vais prendre toutes âmes nettes qu'on est. Et je vais vivre ça l'autre semaine qui vient là. Je vais prendre ça. On avance. Bab dit plus. Canson, canson. Pas en dictature. Bam nouvelon. Bam nouvelon. Mais yo, dis-moi, ça te ça dit quand pile lui. Dis-moi bien, non. Bam mon petit détail sur citoyen ça, non. Yo, dis-moi, monsieur, te ça dit quand pile. Qui est-ce qui est dans vive temps, François Duvalier là? Qui est-ce qui a bam mon petit histoire de François Duvalier? Qui est-ce qui l'a toujours? Qui est capable de bam mon petit histoire de. Et Duvalier père, monsieur n'a pas gardé la même. C'est vous, mettez la poche, ça part. C'est comme ça, ça t'est en Haïti. C'est ton pays qui est vivable. Mais nous, t'es un train. Mais monsieur, nous t'es un train dans le pays, oui. Ça, c'est rail, sous rail. Monsieur, regardez quand Haïti sorti, monsieur. Nous t'es un rail train, nous t'es un train de canne là. Mais quoi, qui côté la plaine? On continue à regarder. Quand il y a la République dominicaine seulement, je vais faire ça. C'est la République dominicaine seulement, je vais faire ça. C'est la République dominicaine seulement, je vais faire ça. Qui collabore en Haïti, je vais faire ça. Même si je vais faire ça, je vais faire ça. C'est wow! Ton train qui se cherche quand? Il a passé là. Ok? Mais comment Haïti est? Ok? Mais comment ce pays nous a été? Mais comment Haïti est à l'époque? Mais comment pays ont fonctionné? Ok? Et mais ça que t'es haïtien? L'on pays sorti là. C'est grave, monsieur. L'on pays sorti là. Et puis, comme si on pays était en sécurité. L'armée était toujours contre des problèmes. Et il y a des gens qui nous parlent, Odin Beto. Il y a l'armée au Brésil qui nous font pile coup d'état en pile désordre. Mais de fait, les démocrates brésiliens ou les socialistes ne peuvent pas craser l'armée. Ils disent dans le pays Chili, ils disent l'armée a même, ça te bagaille tête chargée net. Ça te passe à Haïti, soit Aristide, blablabla, coup d'état, l'armée, vous comprenez, ça va être désordre même par rapport avec ça qui t'a passé dans le pays Chili. Mais est-ce que les démocrates chiliens, Chilien yo t'écrasé la main, négatif. Pas de gè ça. Mais pour qui raison ti sanguine ça, ti sti volo ça, ti san kout chasa, ti égoïs ça ou la Aristide là, vin krasé la main, mette nan état ça. Et si c'est pas ti chien ça, mette nous, comme si krasé, prend décision pour krasé la main à net. T'es capable de gè, par exemple, gè yen, de l'autre, et comment le général ça, qui te nan la main, qui te krasé un corps, qui le corps de l'éopa, il fait nous connaître son corps qui te efficace avec des hommes et des femmes qui compétents. Comprendre qu'il est capable de mener des opérations tête chargée. Il faut comprendre que c'est son corps qui était vraiment et que même Caraïbes blanc. Vous comprenez ça, M. Dulan? Qui était qu'on comparait une corps qui est plus solide au niveau de tout Caraïbes blanc qui nous était gagné dans Haïti. Mais qu'est-ce qui était écrasé? C'était Prosper Avril. Il faut nous connaître qui était écrasé. Qui était écrasé. Mais ça veut dire que tu as l'autre monde avec Aristide qui commençait des autres là. Aristide même il finit avec net, Aristide prend dernière décision pour craser le net. On capable comprendre qu'on est crasé encore alors l'autre cavine qui a mis même comme ça dans institution. Mais l'ovin ou fin avec institution net et ou vin ouais, c'est un bagage que monsieur était signé avec blanc même. Blanc te dit monsieur, on nous craser la main dans pays d'Haïti. Monsieur accepté pour le signer pour le tourner. Et ouais, après monsieur fin craser la main, ouais qui misait, ouais blanc pas jusqu'à maintenant. Blanc va le reconnaître que nous cagé la main dans pays là. Ah papa, et c'est ça, oui, pour nous faire ici de pays dans le pays d'Haïti. Un petit chien vagabond. Et c'est pas de respectant, mais franchement. Image pays, on nous faut garder la caille, côté la caille. Ça, c'est sous-temps, Jean-Claude Duvalier,
te gen ça dans pays d'Haïti mais qui côté pays a teye. OK mais qui côté Haïti teye. L'on pays était là et puis pour nèg sorti avec pays là yo vinn bon craser briser yo vinn bon pendant ça waouh ay monsieur mais mon cher nèg ça ou gen cœur monsieur quel enfer monsieur ça ou gen cœur mon ça waouh bon très bien côté sanguiné ça ou sorti même côté bonne ravette ça ou sorti même yo va regarder pour ouais Evans Paul qui te goumen pour te banon sa rele et démocratie sa avec Tilili. Evans Paul banon André Michel. Li banon yon André Michel. Li banon Abolotio. Ou Evans Paul tout goumen ta goumen. E nan pouvoir pou korive. Korive nan pouvoir riche. Est-ce que j'aime Evans Paul nan proposition encore? Kote ma pala voilà, ministre de France la ministre pal oui. Et nan kid li sorti oui. Ministre de France la, Enol Joseph. C'est Evans Paul qui mette elle. Est-ce que vous prenez? Mais ouais. Est-ce qu'on a Evans Paul qui campait là, qui campait qui dit qu'il a fait un gourmand pour un peuple, qui campait pour défendre un peuple? Ça n'a pas existé du tout. Son petit groupe, petit grand goût, un petit groupe, petit vicieux, dirigeant volé, dirigeant grand goût qui t'a cherché à manger, vous comprenez? Malheureusement, qui vivait autorité, ils sont riches complètement, ils sont riches, riches complètement, et puis après ça, gardez ta pays. Et ça, pour que le peuple la comprenne. Les noms qui qualité, moun sa yo, qui soit disant comme autorité de nos pays, ou pas, j'aime qu'ils ne font pas arriver là. Parce que son équipe pour nous réfléchir avec manger, nous avons grand goût, en pile pendant des années. Mais là, nous avons côté pour nous voler. Je me suis que je prépare à manger là. Pendant 30, 40 ans, ou bien tout reste à faire sous terre. Mais nous pas réfléchir avec le pays. Si nous mettons le pays dans condition qui normal, et bien justement, lorsque nous dans la politique, ou capable de rentrer ou de faire business, le soir, nous avons l'argent pour vivre normalement. Mais bon, chien, ça, ce n'est pas ça que vous voyez même. Mais quand on est sorti avec un pays, vous comprenez? Et mais quand on est sorti avec un pays, et puis, Yo sont avec pays là toujours meni et parler national en 1918 et toute 2000 alors toute 1979 et 1980 84 83 Haïti depuis belle que ça toujours n'a regardé là depuis propre que ça toujours et à partir de 83 84 85 des blouses a commencé péter dans pays là jusqu'à ce que dans 86 rivé Jean-Claude Duvalier pas carré encore de fait monsieur fait meilleur coup pas monsieur lague pied même si des cas font véritable violence sur tout oui ça comprendre. On dit tout clairement, est-ce que normalement, j'ai des gens qui dit que c'est un régime boudu, un régime dictature, est-ce qu'il y avait un tel comportement que M. Saogé là, est-ce que une autorité qui voulait faire pays, une autorité qui voulait un peuple vivre normalement, est-ce qu'on pas obligé, est-ce qu'on a prêté pour garder les gens qui ont menacé le président, qui dit président n'a vienne pour n'a pas n'a ville bon Guillaume Samon a fait dit n'a fait date. Est-ce que vous pensez que comme si on a qui veut dire Jean pays plutôt pas dit ça m'a dit non mais normalement on regarde image balle nationale pour nous commencer à tailler et puis pour côté nèg vinn mettre nous jeune jodi a mais qui côté nèg vinn mettre Haïti est-ce que nous trouvons le normal nous est logique on regarde toujours ça c'est Capitole qui trouvait l'en bas que pasteur Grégory Toussaint dit que l'a acheté pour 1 million de dollars américains. C'est le même que pasteur Grégory Toussaint a acheté. On regarde à terre, zone nan propre, remachinio paquet et bola oui. Hein? OK. Machinio paquet Capitole, ciné Capitole. OK. Et ou asphalte là, mais zone ça kounya. C'est une zone qui est complètement abandonnée, oui. C'est gang qui contrôle les zones, ça, oui. Elles ont compris. C'est gang qui contrôle lui. En avance toujours. Mais Matissan, c'est côté ISO pour contrôle lui depuis de l'année. Avec Tilapli. Et puis gang qui est le Chris là. Son Matissan qui était propre. Son Matissan qui était clean. Son Matissan côté que tout le monde est capable de fonctionner, capable de vivre. Normalement. Et ben mauvais pour nous toujours. Son Matissan côté que tout le monde est capable d'organiser yo pour tout le monde vivre normalement. OK? Pardon. On va mettre là tout. Très bien. Et c'est ton Matissan, monde est capable bouger. Mais Matissan. Ça comprend, mais Matissan.
l'église yo qui voilà mais yo je non l'église en pour moi je dis c'est l'église Saint Bernadette. OK, pardon, l'église Saint Bernadette mais l'église ça qu'on n'a pas là c'est gang oui yo voilà tout ça là dans le net oui pas que un écrit là dedans non ça c'est en 1980 oui en 1980 regardez qui j'ai monté capable camper bon la rue Matissan vous comprenez quand tu as passé tout ça vous comprenez monde qu'on a vendre cabane en fait bah ça yo en bas sous chatte basse là c'est Haïti ça nous besoin. Nous besoin Haïti côté que tout pour ka vivre. Nous besoin Haïti, regardez dans le lieu là où est soleil qui après-midi. Si l'après-midi où est soleil commence à balancer pour le coucher. Est-ce que vous comprenez? Quand terre a passé bagay sa yo en 1980 men. Est-ce que vous comprenez? En 1980, ouais petit l'eau à terre, ça veut dire que te gèle te gon tisser l'appui qui te se passé bagay sa yo. Mais nous besoin pays comme ça pour nous vivre. Nous besoin tourner avec pays ça. C'est obligation pour nous tourner pays ça. Nous devons créer toutes conditions pour nous donner un pays ça. Mais pour nous donner avec, il y a un groupe de monde qui n'est pas là. Et il faut que nous clair sur ça, il y a un groupe de monde, il faut que nous admettre qu'il n'y a pas là. Il faut que nous clair sur ça, il y a un groupe de monde qui n'est pas là. Et qui crée toutes conditions pour qu'il n'y a pas là encore. Et ce groupe pour ça, qui crée un pays en otage, qu'on ne va pas l'avoir là. C'est eux qui sont président. C'est eux qui sont président. Est-ce un pays capable de fonctionner avec qualité moun sa la dedans jamais jamais ou grand jamais ça se comprend et moi même personnellement parce que il est nécessaire pour que nous faire des bagailles pour que nous aider pays à sortir dans ça mais ni gardons l'autre image encore et moun a un monde qui connaît en bas va dire qui image ça t'est est-ce que c'était pas allemand qui côté même que ça c'est sous centenaire là d'accord est-ce que c'était pas allemand n'a va dire moi. Est-ce que si tu parles législatif là, et Navadim qui ça que le tayé? Parce que c'est très intéressant pour que nous ben moins. Et qui ça? Parce que nous-mêmes, nous qui t'es en vivant, temps, Navadim effectivement qui image que ça tayé dans le pays d'Haïti. L'on pays sorti là, ou est-ce un pays qui était vivable? Ils ont pris son pays qui était vivable. Là, ça y est, la vie dominicaine, Kounia, la moitié de la vie dominicaine a pesé. A peser nous-mêmes nous dans la latrine dans demi-chat descend nous piba toujours Ariel a descend nous piba toujours pendant n'a dit ça on partager ça avec nous m'a parlé avec un monde qui me pas besoin bail qui côté monde parce que c'est fragile mais en Haïti monsieur dit mais est-ce qu'on est bientôt équipe qui dans dos Ariel là oligarque yo exige Ariel pour pas jamais faire nouvelle du tout. Pour ne pas jamais garder les réseaux sociaux du tout. Est-ce que vous connaissez ce qui a passé en bas? Dans le cas faire, Ariel n'est pas au courant même. Est-ce que nous connaissons ça? Est-ce que nous connaissons ce qui a passé, Ariel n'est pas au courant même? Sauf que tout simplement, là pour courant que y a des démarches qui ont fait, stratégies qui ont développé pour exterminer le peuple là. Ok? Je veux dire, les gens disent que Ariel n'est pas au courant. Nous avons quitté la caillou, oui. Les équipes qui travaillent pour lui, pour tout le monde, sans camper. Bible dit aux âmes, pour tout le monde, objectif là, les gens connaissent que nous avons goûté pour nous jouer une intervention militaire. Mais question mon cap de M. Chedmas, Ariel n'a pas compris ça, non? Il n'a pas quitté Ariel dans la radio. C'est l'équipe Ariel qui travaille pour lui. Il doit se retirer là, mais sauf qu'elle connaît que nous avons préparé ce qu'il a fait pour tout le monde dans le pays. Mais question de regarder l'image, il n'y a pas que ça même. Ça va. Même comme on qui dit Beto, soit qu'il passe à Haïti, Ariel juste là, il juste connaît que des démarches qu'il a faites pour exterminer le peuple là pour jouer une intervention militaire. D'où le peuple Ariel ne va pas partager. Ariel juste pas au courant. Dans le pays d'Haïti. Haïtien, prend engagement non, prend responsabilité non, pour que la bataille pays a li fait normalement. Mais comme Haïti te yé, et mais ça, Jovenel Moïse tape ses effets, normalement, pour regarder comment l'État va remettre Haïti sous pied. Mais des matériels que Jovenel Moïse t'a acheté pour doter l'État haïtien de matériel ça yo, pour regarder comment nous t'ava recamper travaux publics solides et CNE, camper solide, ok, pour que matériel ça yo gère dans le pays d'Haïti. Est-ce qu'on connaît matériel avec Ariel et puis Original Boulos qui te vend l'État haïtien matériel ça yo? Comment ça peut organiser la vente la rue dominicaine matériel ça yo? Comment c'est vendre la République dominicaine matériel ça yo? Boulos, c'est lui-même qui te vend l'État yo li. OK? Les Matéli, les Ariel, les Vob,
décider pour prendre matériel ça vendre avec la République dominicaine. Des matériels qui vendent 500 000, 1 million, 2 millions, en pile l'argent. Parce que c'était matériel pour près de 123 millions de dollars américains. Aïe, 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 monsieur. Wow. 123 millions de dollars américains. Neni. Jovenel Moïse t'a acheté matériel, ça yo. Son conférence de presse. Et Jovenel Moïse t'a acheté matériel, ça yo, pour regarder comment. Nous t'avons mis sous pied dans le pays d'Haïti. Ça, c'est chant de germe au place que le président t'a commencé à mettre sous pied pour nous te gagner depuis, pour nous être capable de braser le pays. C'est ça, pour nous être capable de braser le pays. Et mais c'est ça, Jovenel Moïse t'a commencé à mettre sous pied. Et nous continuons. Mais matériel que alors commissaire gouvernement Mi Balea Kembe que équipe matelian et puis les Vob Ariel les Boulos t'a pral vendre la République dominicaine. Il y a plusieurs qui t'a vendre la République dominicaine déjà. Mais ça au Kembe li son usine son parti dans usine asphalte là. OK, son parti dans usine asphalte là que nèg yo t'a prend là pour y aller vendre avec la République dominicaine. Mais commissaire gouvernement monsieur Kembe ça et monsieur qui ou pral révoquer commissaire gouvernement peut-être ça seulement. A dit bravo avec commissaire gouvernement et Belader là. Matériel ça, monsieur dit que il va prendre la République dominicaine. La gueule qui t'en prend, mettez logo compagnie propre compagnie par en Dominicani parce que c'est de compagnie nèg pas le monter en Dominicani pour que yo capable faire business avec Haïti. C'est comme ça nèg a fait. Son pays nèg sans pitié pour lui net qu'on est. Nèg sans pitié pour pays a. C'est grave monsieur. C'est grave ben franchement, c'est extrêmement grave. Hey, franchement, monsieur. Oh. C'est ça, nèg sa yo qui vient dirigeant. Et on est dans le pays. C'est eux-mêmes qui autorité. C'est eux-mêmes qui t'a pris décision pour vous. Et c'est eux qui t'es là. Haïtien, nous va garder et comprendre. Effectivement, dans quelle dimension, monsieur, ça au méchant. Dans quelle dimension, yo criminel. Jovenel Moïse. T'as pas essayé faire effort ça pour regarder comment l'état va aider pays à sortir dans une situation difficile. Eh bien, les Jovenel Moïse t'a fait ça. Les gars organisé, ils disent Jovenel pas arrêter. Jojo dormi dehors, Benny. Jojo dormi dehors, un peu salope. Mais Jojo dormi dehors, mais nous touye Jojo, mais nous même nous dans la rue chat basse là. Nous dans Ruel Chavan, nous dans place Jérémy, bon diap fond nous en deux, y a boule kay nous y a apprécié voir balle tête sans camper, vous comprenez? Jojo dormi dehors, mais pas attendez, moins pas attendez. Jojo dormi dehors, c'est ça que nous fonctionner. Jojo dormi dehors. En sakoutia. Jojo dormi dehors. Nous pas respecter tête nous. Nous sans pitié avec propre tête nous. Et puis nous pensons moun pral prendre au sérieux. Nous pensons moun pral prendre au sérieux. Et bien c'est dans condition ça. Et ben bon menti, nous rivé côté rivé là. Jodi a, mais ka autre nous amen nous. Mais nous dans propre situation nous et que n'a souke quoi nous. Parce que c'est ça que nous planté. Et il a récolté. C'est nous méchants avec propre tête non. C'est normal pour qu'on a vivre nos conditions pareilles. Mais m'espérer que nous prenons leçon de erreur que nous avons fait, OK, pour que nous pas jamais fait genre de erreur ça dans la vie nous encore comme peuple. Parce que quitter des petits vagabonds, utiliser nous des petits groupes gang qui dans secteur privé, des groupes gang qui reste avec yo et me capable dire non. Non politique là. Pour camper pour détruire nous comme ça. Mais j'espère que nous prenons engagement. Non. Voilà. Gagné barbecue Jimmy Cherizier qui font déclaration. Que monsieur dit en pile bagaille. Monsieur dit en pile bagaille. Que nous trouvons qui est important. Pour nous permettre de déclaration Jimmy Cherizier barbecue. C'est pas les sans filtre.
En nous tendez ça, barbecue, dis non. C'est important. Chaque monde qui va le garder voir ça. Et à chaque monde qui va le garder voir ça. Et je dis, c'est samedi 10 septembre 2023. Quand je m'en parle, là, je m'en fais voir ça. Et je ne sais pas si je m'en fais parler avec nous. Et je m'en parle avec nous pour nous comprendre, pour nous calmer de ce qui a passé dans le pays. Je m'en parle avec nous pour nous dire un peu dans nous. Pas nous tous, non. Mais la plupart de nous, pour nous quitter hypocrite, pour nous quitter traite. Ouais, je ne vais parler là. Je vais parler sans pas. Je ne vais pas vivre dans le à côté. Je ne comme si il n'y a pas de rien à faire diplomatie. Je dis tout ça, je vous dis clair. Pour le monde d'Andel, pour tout le monde comprendre. Nous, je suis à la caille, nous réclamons, depuis nous avons vieux téléphone, nous faisons un plan sur lui, un plan 10 gouttes, 15 gouttes, nous avons un et puis montez sur Internet, plein de radoté, tout le temps, nous voyons, nous partagez, nous mettons pas pour nous, nous postons un bagage sur nous, nous tombons à bas commentaires, à faire faux témoignages sur nous, de toute qualité, tete. Pendant ce temps, un pays qui fait n'apprasé, un papa gang, un chef gang, qui dans primatia, il y aurait Ariel Henry, qui prend une équipe volée, une équipe voleuse, met de bon côté, qui est André Michel, Majorie Michel, Rosemila Petit Frère, Rika Pierre, pour citer nos voleurs, ça seulement, et puis nous avons débattu tout au peuple. Quand il y a chaque bataille, c'est des gens qui ont le pays, ça a décidé de faire, en face de Mounsayo. Moun sa yo ki puissant et qui comprend le système là, yo utilisé des journalistes et que pour qui craser mouvement. Par exemple, pour des séries de journalistes marchand micro, même Mario, là Dieu va marchand micro. Yo tout un peuple à vivre au jour le jour. Son peuple comme si et chaque jour pour ti malheureux malheureux sorti et que pour le manger, là on est bloqué pays là et ti malheureux malheureux va faire souffrir, c'est pas grand nèg yo. À discours ça, yo démoraliser nous, yo fait nous abandonner tout groupe. Bon, l'autre catégorie, si monsieur Tivolet qui est tête militant, il n'y a pas de non toute qualité militant. Militant tel côté, militant si, militant ça. Tivolet ça, il y a un grand goût, il y a un misère, n'est pas tiché sale qui est tête politicien, bon, on est monsieur qui dit ou militant, ou qui dit ou qui caractère. Pour ça, André Michel Pépé, il savait ce pour prendre la rue après les vivants de Michel. On est goûté militant. On fait mousser militant. On dit, on fait bataille pays. Pour pas qu'on pas crée. On défendre Rosemi la petite frère. Pour défendre Majorie Michel. Pour défendre Rika Pierre. Pour qui ça, pour un petit chèque peut-être au Kabaou et nos ministères. Ou bien pour un paille monnaie, paille carotte au Kabou et Baou. Pour défendre Mounsal, ça a crasé pays. Quand Mounsal a tabou, mais pour Jovel là. Je dis à Bagayo, douce, Haïti a bien marché. Pas de sécurité. Pas de kidnapping. Pays à bon, nous hypocrites, les pour nous goumer, nous pas goumer, et nous, nous avons essayé de goumer, nous faisons pour nous connaître, nous détruire. Ouais, moi-même, les Jimmy Chérisé, barbecue, je suis fier de vous, et je m'apprête comme ça. Par contre, il y a un petit journaliste, Joel Bokier, qui prend mon dos ou caché là à l'étranger, pendant ce temps, nous tous contribué dans détruire. Dieu merci, je goumer, et je continue à goumer, je résiste en bas nous. Nous pensons que nous détruisons, nous résistons à nous. Et puis, je dis à nous qu'on est, nous avons fait moral, nous avons dit ça pour faire et ça pour pas faire. Bon, mais ce que nous avons fait, peuple haïtien, diaspora, nous avons fait tant de mieux. Nous faisons la paix avec les belles. Nous faisons la paix, c'est bon la paix. Et pas la paix, pépé. Si c'est pour moi, nous ne pouvons pas jouer Jimmy Chérisé barbecue à l'attaquer belle. Et nous ne pouvons pas attaquer belle déjà, nous devons toujours à la défensive. Je vais toujours continuer à être à la défensive. Depuis M. Belé, on pas occupé André Michel. Il n'a pas occupé Majorie Michel. Il n'a pas occupé Rosemila. Qui voyait Kobayo pour venir attaquer, venir tirer sur moi. Pour lever guerre, moi-même, c'est pour me garder. Moun Belé, Moun Riel Maya, Moun Ritimas, n'a pas vu la caille en paix. Et bien content qu'on y a commencé à les soir, pas de courant, blackout, je vais garder nous ranger devant la caille. N'a pas dormi. Nous n'avons pas 4 à 5 ans qui a fait ça. Nous avons regardé dans tout le monde, nous avons regardé dans tout le monde, nous avons regardé dans tout le monde, nous avons regardé devant la caillou, nous avons regardé nous, et que nous dormi. La paix, ça est peut-être simple. Moi-même, je dis, monsieur, c'est barbecue. Exactement, je dis, je ne vais pas vivre bouche.
On est qui connaît une fois Jimmy Chérisé était participé dans kidnapping avant à Ville Jimmy Chérisé. Et puis fini, une seule fois, on est connaît une grande fois Jimmy Chérisé était participé dans kidnapping à Ville. Me songe l'aime dès qu'on a dénoncé série de nèg Jodiak qui nous vient faire la paix avec nous. Qui vient allier me jodi parce que nous fait la paix. Jodi a, j'aime te dire là, moi en plus on a fait ça fait tourner. Pas ni parole question de Genève, pas ni question de GPP vivre ensemble. Nous tous ces haïtiens faut nous tout camé tête nous ensemble pour nous garder comment nous capable vivre mais quoi nous songe l'aime d'ab dénoncer et Kempes et pas un mal me dit là l'aime d'ab dénoncer nous on a dit oui mais Kempes si Kempes ça c'est des journalistes gâché bouda à l'étranger t'a prendre c'est faire de l'eau faire boire pied d'ennemi quoi et il a parlé de moi qui ça nous dit chef gang barbecue il a parlé de Kempes nous dit chef gang Kempes chef gang barbecue a boumé à chef gang Kempes. Nous prenons tout le monde, nous mettons tout le monde dans un seul panier. Et bien, journée aujourd'hui, moi-même, je choisis de faire la paix avec Kempes. Pendant que je fais la paix avec Kempes, moi, j'étais Jimmy Chérisé. Ok? Kempes, des territoires parlent, pour respecter côté Kempes, des territoires là. Même si Kempes, pour des territoires, pour respecter. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire. Même je ne vais pas faire n'importe quoi. Sous Belé, Kempes connaît pour faire n'importe quoi en bas d'Elma. Pas occupé aucun journaliste qui n'a pas voulu la paix dans le ghetto, qui a venu au barbecue, dans le kidnapping par intermédiaire, barbecue par chef Kempes, passé avec kidnapping la Kaili. Je dis ça pour le monde entier. Tout ghetto est net, seulement qu'il y a une. Tout ghetto est net. Chaque chef qui est dans le ghetto, il y a un genre qui fait l'argent par eux. Vous entendez? Chaque chef dans le ghetto, son bon gens, il fait quoi par eux? Moi-même, je ne vais pas me avec aucun nègre. Ok? Quel état de responsabilité? Je ne vais pas remplacer l'état. Ok? La caille, pas moi-même, je vais me principe. Et dans la paix avec M. Belé, dans la paix avec M. Rielma, dans la paix avec M. Ritimassa, tout le monde est respecté. On ne va pas me faire pas faire la caille. Ok? On ne va pas me faire pas faire la caille. Mais après ça, pas de monde qui va venir me lever pour moi. Par le bon cas, montrer journaliste et qui me parle de kidnapping, ça me va me tirer coup de balle sur Kempes. L'homme qu'on a dénoncé, le côté nous t'es, mais qui s'en déconne de lui? Mais qui s'en déconne de lui? Ok? Mais celle ça m'a dit moi-même, et que Kempes va le temps de voir ça, d'ailleurs, m'a voyé le bali, moi-même personnellement. Tout le monde respecte le territoire qu'il est. Par contre, font bagay ou fait nous même ça bagay pour fouer monsieur le vol comme ça mais pas faire la caille moi pas passer avec la caille moi bagay qui ça dérange et ben qu'on a pour enlever guerre nous même monde dans la caille m'a dormi à terre bon l'aria les chalets les chalets nous couche à terre bon l'aria dormi qu'on a ça nous besoin faire nous besoin enlever guerre. J'aime tout malheureux pour la caille commencer à vivre. Besoin mal des guerres. Pour qui ça c'est à mon belle pour continuer à gourmer. Pour qui ça c'est à mon Rielma pour continuer à gourmer. Pour qui ça c'est à mon Ritima pour continuer à gourmer. C'est-à-dire que mon papa château, papa volé pour être pays là. Cap débat pays là. Bon assassin criminel qui peut être pays là. Que toi qui maman volé bon côté. Ariel Henry. Vous avez fait mieux le Rosemi là. Vous avez fait mal l'argent dans le ghetto comme ça. Vous avez fait contact bandit comme ça. Faut j'avais arrêté les jeunes là. Il n'y a pas qu'on quoi m'a voulu gérer. Et mon chant là qu'on gère. En tout cas, moi, voix ça, je suis sur 9 minutes là. Je fais voix ça, je vais publier pour le monde entier. Justement, c'était barbecue. Et je ne vais pas faire commentaire. Mais sauf que, l'important, moi, mon belle, commence à sourire sur les vieux, je me dis bravo. Et que nous allons continuer, faire. Et puis, ça, vous faites après la fête. Mais sauf que, mon belle est suspendu, crier. Mon delma de commencer à vivre la caillou. C'est ça qui est important pour moi. Et ça qui est important moi après ça l'autre bagaille n'a pas royo parce que nous pas capable quitter une quantité nèg avec gros âme comme ça vivre dans pays n'importe là nous ca lever un bon matin nous touyer monde et faut que l'état prenne engagement en entendant des déclarations justement avocat Guy Philippe encore une fois qui fait appel ensemble avec toute population pour aller rencontrer sénateur Guy Philippe le 7 septembre cap venir là dans aéroport international Toussaint Louverture sous Maïgatia pour finir tout monde ca fou feu monde la voix tout le monde a fait. Moun li la voix. Moun bédé.
moun ki yo bandi mette dehors la kayo n'ap tann yo tout nan aéroport international là pour nan recevoir sénateur Guy Philippe en chair et en os pour la vini continuer bataille que de commencer 7 septembre mettre Lucien mais gien des informations qui t'a fait quoi depuis sénateur entré dans pays d'Haïti DCPJ a posé la patte sur lui parce qu'il gien des plaintes qui était déjà écoute déposé contre lui dans pays écoute nous autres avocats nous ne sommes pas des imbéciles. C'est soit une science, avocat, pas qu'à science des imbéciles. Nous ne pouvons pas soit disant journaliste qui ne pas lire. Écoute, tout ça, la loi dit nouvelle. Pas oublier, nous dit nous détenteurs de un certificat de tribunal première instance de Port-au-Prince. Nous détenteurs de un certificat émané de tribunal première instance, Grandance. Nous sommes sud. Nous sommes nip dans nous. Et nous avons écrit de CPJ. Et je dis au plus tard, certificat de CPJ dans mes nous. Donc, comment on dit que tu as une plainte qui est déposée contre le sénateur? Plainte est déposée et puis tu es arrivé à l'élection, lui élu, lui entré en fonction pour te plaindre ça au passé. Pendant 6 ans, nous avons goûté avec le sénateur Guy Philippe. D'ailleurs, nous avons toujours dit que la défaite du droit est provisoire. Ou si tu es non deux mouns qui n'ont pas de croix dans la libération du sénateur, l'enfant me dit que je ne peux pas parler d'éthique professionnelle. Pour dire aux gens sans éthique professionnelle, il faut que ce soit les gens qui apprennent des bagailles. Mais deux personnes sont sortis, ils ne peuvent pas apprendre rien. C'est juste dans une petite chambre, et puis dans une petite caméra, et puis après, ils montent. Ils ne peuvent pas éterniser ce genre de monde. Ça. Après, ils ne parlent pas de l'équipe importante. Songez bien que nous disons, nous avons pile de monde jusqu'à présent qui connaît que le sénateur Guy Philippe était interpellé pour question de drogue. Et nous avons toujours dit, le sénateur Guy Philippe n'a jamais interpellé pour question de drogue. Songez bien que, il y a des gens qui disent que, Haïti a signé un accord avec sous préval avec Mme Albright en 1997 pour te permettre étrangers d'entrer sous sol pour venir à Haïtien. Nous-mêmes nous disons non. Et nous voyons nous regarder dans le moniteur numéro 59. Accord qui a signé entre René Garcia Préval, le regret de mémoire, et Mme Albright en 1997, a dit que pour aider Haïti goumé contre trafiquants de drogue, les États-Unis ont intervenu seulement en mer. Et il n'y a pas de jambes de question pour les gens entrer sous sol là pour venir prendre un haïtien. Or, article 276 Constitution dit automatiquement que un pays a signé un traité, un accord, une convention qui place au-dessus de Constitution li nul et de non avenu. L'un allait plus bas, dans l'article 8, on dit comme ça que aucun haïtien pas qu'à déporter, ça dit pour forcer le quitter pays pour aucun motif que ce soit. Donc nous, sénateur Guy Philippe, c'est ton sénateur en fonction. Au regard de l'article 95 de Constitution qui était fait de sénateur en sénateur élu et entré en fonction. Nous voyons que les gens ont une guerre à peine et puis ils ont enlevé le sénateur et ils ont emprisonné aux États-Unis. Mais arrivé aux États-Unis, là on dit que nous pouvons juger pour question de sénateur a dit pas de problème, c'est vous devez nous aller. Là nous allons, et puis imagine qu'on a dit que nous pas qu'à Kébé. Le sénateur nous pouvons juger pour blanchiment des avoirs. Sous qui ça sous un prétexte que. Tu as un certain Sony Désir qui t'est transféré de la Soge Bank via First Union Bank aux États-Unis, qui dit que lui t'est transféré 100 000 dollars américains sous compte sénateur Guy Philippe. Or, dans Soge Bank, à partir de 10 000 dollars, où je dois supposément de provenance fonds, c'est pour l'une des raisons que tout n'a signé à la Soge Bank. Parce que, un, pour Soge Bank, dis-nous, qui l'heure, qui jour, qui date que tu t'es transféré. Et 100 000 dollars américains sous compte sénateur Guy Philippe de la Soge Bank via First Union Bank. Là, on dit nous allons juger pour blanchiment. D'ailleurs, pour blanchiment, pour condamner pour blanchiment des avoirs, premier soir fait, vous saisissez bien. Vous pas saisissez bien, sénateur. Sénateur, qui est Canel, jusqu'à présent, contre la banque aux États-Unis, vous pas saisissez. Kylie, vous pas saisissez. Et vous dites, il condamne pour blanchiment des avoirs. Donc, c'était un complot qui était monté de toutes pièces. Mais malheureusement, il y a des gens qui pensaient que. Sénateur a été à vie dans la prison. Mais nous avons toujours dit la défaite du droit est provisoire. Nous autres, nous sommes esclaves de la loi. Nous avons la loi comme boussole. Nous parlons là pour nous faire du coq à l'âne, même avec certains journalistes véreux, qui ont pris corps dans des politiciens véreux, pour tenter sale image d'un sénateur. Et c'est bien compté, mal calculé. Nous avons des journalistes, soi-disant journalistes, qui ont dit que. Et il y a plein qui t'est déposé au niveau Grand Sud pour sénateur, mais pas oublié. Dossier a allé au cabinet d'instruction, arrivé au cabinet d'instruction, sénateur a été présenté et nous avons un certificat dans nous. Je dis là,
tout le monde qui met dans la tête. Haïti pas qu'à changer et n'a pas c'est menti. Parce que nous autres, en tant que lumière société, nous pas là pour nous gommer à qui que ce soit, nous avons seulement la loi comme boussole. Mais il y a un peu de monde qui expliquent qu'entre les sénateurs sont capables de sauver le pays, notamment pour les capteurs, qui ont amené les sénateurs pour qu'ils aient une bataille en face de l'État au problème. Ma blanche, c'est ce qu'il appelle ça. Malheureusement, c'est, nous sommes à la fois peinés et attristés. On a regardé la situation de la Foufeuille, et pas seulement de la Foufeuille, de la Carade, de la Tabar, de la Lavoie. Moun Bédé, Moun Matissan, ou est tout le monde ça aujourd'hui, c'est courir à courir. Pour qui ça? Parce que il y a insécurité dans le pays. Son insécurité planifiée. Et insécurité tellement planifiée, aujourd'hui on va regarder, commissaire gouvernement actuellement là à Konya, il double sécurité. Premier ministre, non, double sécurité. Tout ministre double sécurité. Aujourd'hui là, c'est le peuple qui livre à lui-même. Message m'a placé pour le peuple là. Le c'est un dossier que nous te plaidons contradictoirement au niveau du Cour supérieur des comptes et du contentieux administratif. C'est Maître Ossini Faire Juste et nous autres, Maître Richard Jean-Joseph. Nous te plaidons dossier jusqu'à présent, nous déposons pièces parce que c'était lecture différentes mémoires qui étaient déposées. Malgré que l'État, via la DGI, à chaque fois, on a échangé écriture, on n'a pas échangé avec nous. Mais nous avons non seulement déposé dossier, mais nous avons baillé une mémoire supplétive. Donc, nous avons jusqu'à présent verdict final. Très bien. Et c'était avocat Guy Philippe, Joël Dinoan, qui annonçait la libération de Guy Philippe et fait appel ensemble avec la population pour venir porter solidarité par le sénateur Guy Philippe, effectivement, qui vient pour libérer le 7 Cap Vin là. Et moi-même, personnellement, moi encourage tous les Haïtiens FMCM, capteurs de nous. Dans le pays d'Haïti, dans tout le département pays, si nous sommes capables de faire effort pour nous faire porter bourré, pour nous arriver effectivement et devant l'aéroport international de Toussaint Louverture. Mais il faut que nous t'accompagnions l'heure, pour que le peuple ait amassé devant, en foule immense, en foule, pour que nous allons rencontrer ensemble avec le sénateur Guy Philippe. Que bon Dieu bénisse nous, rendez-vous cassé pour l'autre édition. Moi, maintenant, pile, ses amis, pas nous,